Bonsoir, tout bon compatriote de la diaspora. Bonsoir, tout bon camarade qui peut suivre nous live. Donc, ce soir, le 3 octobre, donc 100% citoyen, il invite plusieurs camarades de la diaspora à travers le monde. Nous, 13 pays qui sont présents aujourd'hui dans ce live-là, nous pour discuter ensemble de différents sujets qui concernent la Constitution, qui concerne une réforme électorale, qui concerne le droit de vote de la diaspora, qui beaucoup compatriotes qui sont à l'étranger, un expatrié de Maurice, et envie de voter. Donc, qui sont en difficulté, qui capable faire, qui pas faire, qui fait pas faire, qui bien faire. Donc, nous pouvons discuter tout ça ensemble. Donc, nous sommes aujourd'hui, bon, ben, compatriotes de France, d'Angleterre, Canada, États-Unis, Australie, Tasmanie, la Suisse, l'Irlande, l'Afrique du Sud, Pologne, la Réunion, Monaco, Dubaï, Pays-Bas, Thaler, et Luxembourg et de la Belgique. Ben, bonsoir à tous. Moi, pour et dans le plaisir de faire la modération et l'animation avec nos camarades Kovilen Rossingen. Donc, bon, moi-même, Dave Sanasi, mon entrepreneur depuis 25 bonnes années, mon ferme ici à Paris. J'ai l'occasion, la chance de travailler à Paris avant mon Maurice. Et Kovilen Rossingen pour avec moi pour la modération. Kovi, on passe toi le micro. Bonsoir, bonjour, je veux dire bonsoir, bonjour, parce que nous connaissons plein de tous nos compatriotes de la diaspora dans les quatre coins du monde, et ça fait moi vraiment, vraiment chaud au cœur. Et avant qu'il me présente moi-même, me dire un grand merci 100% citoyen et Dave Sanasi pour sa l'initiative avec ce parti et Kiffin et organise sa débat là pour tous nos compatriotes. Me saluer. Et encore une fois, très bon moment, camarade, Vachix, Moutou Pravin, Montanzi, à l'Angleterre, avant que l'occasion joigne, et mon copain camarade, Yuva Paratian. Et tout le monde qui est là, et moi-même, au Basel, en Angleterre, ça fait 20 ans, mon professionnel légal, et mon fait mes études au Canada aussi, mon bon camarade Canada, mon fait mon first degree à Montréal, et bonjour encore une fois, et comment dire, il y a un débat très intéressant. Et il fait moi très chaud au cœur que je trouve de l'intérêt ben mauricien pour qui nous débattent de un sujet d'actualité, un sujet qui est important pour nous, l'avenir, pour l'avenir de nos pays. Et merci encore une fois, nous pour bien l'occasion de causer un petit peu plus tard. Merci. Bizarre, un mute, Dave, tu le mute, un mute. Merci, Kobe. Ça fait qu'il nous a oublié ça. Donc, nous pouvons demander chaque camarade présente-lui. Donc, très brièvement, 10 secondes, 15 secondes. Donc, nous commençons par Oliver Ramoudji. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Oliver Amoudji. Moi, j'habite Rosil avant à Maurice. Mais depuis, ça fait quoi, 12 ans qu'il m'a quitté Maurice et m'habite en Pologne maintenant. Et moi, travaille dans l'informatique. Donc, on est bien content, moi, là, aujourd'hui, avec Zot, pour participer et partager plusieurs choses. Merci. Merci Oliver. Clomaris, laisse-toi, présente-toi. Oui, donc je vais unmute d'abord. Merci. Bonsoir tout le monde. Ben voilà, moi c'est Clomaris, moi résident sur la banlieue parisienne et moi enseignant donc en études d'école supérieure universitaire en anglais, commerce international et aussi en entreprise. Et donc moi un grand plaisir à rejoindre vous ici pour débattre sur les sujets qui me concernent et qui nous concernent tous sur Maurice. Merci. Merci Claude. Faranaz. Bonjour, moi c'est Farhanaz, enseignante de français à Toronto, donc à Toronto au Canada. Une des organisatrices de la plateforme citoyenne qui fin organise Rassemblement des Mauriciens ici dans la grande région de Toronto. Merci. Merci Faranaz. Nathalie. Micro. Bonsoir à vous tous et toutes. Ben, Nathalie Louis, âgée de 49 ans, responsable en assurance retraite à Paris. Et moi, très content que nous tous
est à l'écoute ce soir pour nous partager l'idée que nous trouvons une solution afin qu'il nous fasse remonter des informations au gouvernement. Et voilà, donc je vous souhaite bonne continuation comme moi et un grand merci à Dave Senassi du 100% citoyen mauricien. Merci Nathalie, Saïlesh. Merci Dave. Saïlesh Chagrou de Washington DC. Je suis un diamant mauricien ou un tracé, même nous sommes entier le monde nous présent. So, salutations à tout le monde dans le monde. Moi, dans l'Amérique depuis 20 ans, moi, un ingénieur de formation de l'Université Maurice, au certificat de Bourne, dans l'Université Maurice, on apprend. Maintenant, moi, retrouve-moi dans Washington, faire un petit dans la Suisse à l'époque, mais maintenant, au Washington. Ça fait 20 ans qu'il m'a ici. Valeur du jour, moi, un social entrepreneur. Moi, passe beaucoup de temps à faire mon travail social à Maurice, à travers mon groupe qui s'appelle Mauritius Diaspora de deux groupes. Mon approche à social entrepreneurship, c'est un crowdfunding. Mauricien qui descendait au Maurice. Nous venons ensemble, nous mettons la monnaie ensemble, nous faisons de bonnes affaires à Maurice. Voilà, merci. Merci, Saïlesh. Docteur spécialité, c'est Maître Costé. Donc, docteur Paratian, micro pour. Oui, moi, c'est Yuba Paratian, moi, reste entre Maurice et La Réunion. Moi, je suis médecin généraliste, mais moi, j'ai aussi un intérêt pour la dictologie. Moi, j'ai un diplôme en dictologie et en psychiatrie. Et mon travail, depuis longtemps, je suis content de mon pays. Ce match, ceux qui travaillent pour ce pays-là dans différents secteurs. Et moi, je suis content. Remercie tout le monde qui travaille en moi parce qu'il y a l'ensemble du monde depuis la Suisse, depuis la Belgique, depuis la Réunion. Et avec Didier Souben, nous organisons ici la marche du 29 août et nous pouvons continuer à faire ça. Et je suis content et je remercie Dave Senassi pour l'initiative avec Covilen, pour cette initiative pour organiser ça. Et je suis content de faire partie de l'équipe qui peut en vivre quelque chose pour l'île Maurice. Là. Merci. Merci, Yuvan. Bonsoir, Malherbe. Bonsoir. Le micro off. Allez, nous passons à Kevin Govinden. Ok, sorry Dave. Allez, vas-y François. Bonjour tout le monde, sorry, j'ai un problème avec mon caméra. François Malherbe m'a sorti pareil, Maurice, Cadbourne, mon petit camarade d'école, Dave, mon petit dans la même classe. C'est un qui nous reconnecter un peu à travers mon travail éducatif. Moi, enseignant chercheur en chimie, environnement, à Melbourne. Et donc, moi, ça fait depuis, moi, je perds du compte, plus que 30 ans, moi, je quitte Maurice, mais moi, je suis toujours attaché avec le pays, normalement, moi, ma famille reste encore toujours reste Maurice. Et il y a intéressant, ça, l'époque qui nous peut vivre là, moi, trouver, quand moi, je peux guetter, pour être un petit guide, l'idée philosophie dans le groupe. Moi, tu peux guetter, c'est un événement là, moi, je rappelle crapaud crié à l'époque longtemps. J'espérais qu'il y ait une discussion là pour amener beaucoup positif, comme un camarade peut dire, nous, Mauritien, un tracé, quelque chose qui a été dans toutes les parties du monde. Et nous, c'était là, nous, tout peut reconverger aujourd'hui le Maurice. J'espérais pour amener un bon win pour Mauritius. Thanks, Dave, and thank you for everyone also. Merci, François. Kevin Govinden. Alors, bonjour à tous. Ouais. Moi, je suis né la France, en fait. Moi, je suis un Mauricien de la 4e, 2e génération. Mon papa, il travaille pour Maurice, c'est un diplomate. Moi, je travaille pour Air Mauritius. Donc, je suis baigné dans ma famille. Mais d'ailleurs, mon neveu de Yuva Paratian. Donc, toute une famille vraiment soudée. J'ai essentiellement Strasbourg, mais après, une twin éclatée dans, à travers l'Europe et le monde entier. Et que moi, je me sentis moi, un Mauricien, mon enseignant pendant presque 15 ans. Je fais un concours aussi au niveau du SMUR en France, en tant qu'urgentiste ambulancier. Et moi, aussi télépilote professionnel de drone. Donc, moi, reste à la Réunion depuis six années.
et que mon français nous a un fort potentiel en tant que la que mauricien, une ouverture d'esprit qui beaucoup de monde peine, et en même temps le fait de la diaspora mauricienne, mon français nous bizarre et une valorisation de nos statuts et qui Maurice bizarre vraiment reconnaître ça parce qu'il a un transfert de un partage de connaissances qui bizarre faire ben échange, et nous bien content de faire ça à l'émission là. Je vous dis merci encore Debson aussi et Covilaine Nancygaine et le mouvement 100% citoyen et tout ben citoyen à travers le monde ben mauricien qui sentit je mauricien qui a ça sentiment d'appartenance à nos nations, à nos patries, à nous tisil, mais en même temps qui grand dans le cœur et qui grand dans lesquels mes enfants aussi, parce qu'il y en a mes enfants qui peuvent venir, qui peuvent naître en déo Maurice, mais qui bien sentis eux aussi, et qui me pensaient, je peux sentir eux Maurice. Voilà. Merci Kevin. De rien. Alison, on laisse toi présenter. Bonsoir, Alison. Ça fait 13 ans qu'il m'a en Irlande. Et mère de famille, on a un online business. So, moi bien content, moi trouve tout ici, nous cas, que ça bat, ça bat un problème qui passait dans mon risque là. Merci. Merci, Addison. Abirai. Oui, bonjour, bonsoir. Donc, Abirai, originaire de Midlands, à Maurice. Je quitte Maurice depuis 2005. Je fais 2 ans en Angleterre et après, je vis en Irlande. Donc, 13 ans en Irlande. Et dans le domaine finance, ici, je travaille pour une compagnie qui fait la coque téléphone. Donc, merci beaucoup, Dave, pour sa opportunité, pour Voice Out, ce qui nous est là pour dire qu'il nous la voit pas pétendée. Sa plateforme-là, c'est bien nécessaire. Merci beaucoup et que ça fait plaisir de voir Mauricien du quatre coins du monde qui nous joignent pour sa call-là. Merci et de continuer. Merci Abirai. Bon, on rappelle que tu es un Mauricien dans 13 pays qui est présent avec nous maintenant. Donc, Pascaline. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Pascaline. Ça fait 2 ans qu'il m'aurait en Belgique. Et qui est mes enfants mais beau, d'accord. Et aujourd'hui, Simone là, qui me vient avec Zut, pour sa plateforme là, mais si tu dis mon pour ce qu'ils peuvent faire, d'accord. Parce que moi pas trop ça normal par rapport à tout problème qui peut arriver, Maurice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi me viens sur Zut, pour sa plateforme là, pour cause un petit peu par rapport à le droit de vote. Parce que moi, en tant que Mauricienne, moi envie capable de voter pour qui comme dire demain quand moi un jour je peux prendre mon retraite, je peux rester Maurice, je peux envie qui comme dire vivre dans un pays qui me connaît, qui me connaît comme mes enfants et comment ils étaient. Voilà. Merci Pascaline. Didier Castagnette et après Exley. Bonjour, moi c'est Didier Castagnier et actuellement moi habite à Toronto, ça fait 4 ans après 16 ans passés la France où je suis étudiant en anthropologie. Donc moi, ma formation c'est une formation anthropologique et une formation sociale et moi j'ai à faire un petit parallèle, moi pas un représentant de la diaspora, mais par contre moi un membre de la diaspora qui me réunit avec plusieurs membres de la diaspora sous un collectif qui appelle Maurice Mauricien. Et d'ailleurs, il y en a plein d'immunes qui m'ont trouvé aujourd'hui là, qui fait partie de nos équipes. Toutefois, nous pas en contact aux autres, mais pas inquiète d'autres, en contact avec d'autres bonnes chefs d'équipe. Et, bon, nous là, pour guetter, que ça débat là, pas même nous, et à quoi ça peut avancer, et nous faire, et nous prêts pour participer. Merci Didier. Exley, à toi. Bonjour, bonsoir à vous tous. On se connaît pas tous. Salut Dave, j'espère que tu vas bien. Je suis très content d'être invité, d'être là avec vous déjà pour en parler de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui va être fait, ce qu'on aimerait faire, développer, changer avant tout. Je pense que le débat était important, d'aussi d'entendre la voix des Mauriciens qui vivent à l'étranger. Pour voir comment on peut faire évoluer les choses et comment changer les choses avec une autre mentalité peut-être. Parce qu'on a aussi évolué, changé en étant à l'extérieur.
Et aujourd'hui, notre voix compte aussi parce que nous sommes Mauriciens. Merci, Axley. Ravi, Viran Sormi. Alison, mets ton micro. Hop, s'il te plaît. Ravi à toi. Bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Ravi, originaire de Quatre-Bornes. Ça fait plus de 15 ans que je quitte Maurice. Je passe la majorité de mon temps à Dubaï, à Abu Dhabi, et finalement, moi à Paris, ça fait depuis 3 ans. Donc, je travaille comme Global Head of Service Management pour Danone, et je suis bien content qu'ils aient dit que tout le monde a cette plateforme-là pour qu'ils voient start mon opinion. Et voilà. Merci, merci. Ravi. Moi, je suis pointu. Ben, si j'ai le droit de vous plaire, vous m'en avez contacté, Ravi. C'est un problème. Bonjour à tout le monde. Et je suis très content d'être là parmi vous. Mobile de Quatre-Bornes, et puis depuis 87, moi ici. Et puis, quand vous venez ici, moi, c'est une école aide familiale, c'est dans le social. Et puis, moi, je travaille pendant 28 ans dans le domaine hospitalier, psychiatrie et la gériatrie. Et maintenant, ça fait 4 ans que moi, indépendant, moi, j'ai un petit site de transport. Et merci, Dave. De nous faire l'opportunité vraiment d'exprimer nous vraiment, de faire comprendre les choses. Et j'espère que tout ira bien. Allez. Ça va bien se passer. Merci, Mario. Jean-Marie Sezier. Micro, Jean-Marie. Jean-Marie, ton micro, pas éteint toi. Ouais, microphone. Ok. Bon, Jean-Marie, 3h du matin, là-bas, vous comprenez. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jean-Marie Sezier. Ça fait plus de 30 ans que je suis en Australie, basé maintenant en Tasmanie. Je suis toujours bien attaché avec Maurice et très souvent, je vais à Maurice. Merci, Dave, de faire possible, de rendre possible cette réunion avec la diaspora mauricienne. Et je suis aussi un admin d'un groupe qui s'appelle Right to Vote Mauritian Diaspora. Et je suis dans le domaine du transport maritime. Merci, Jean-Marie. Lindsay et Babette. Micro. Oui, moi, bonsoir, Lille Maurice. Bonsoir, Diaspora. Moi, Lindsay Babet, 20 ans en France, dans l'informatique. Et je remercie Dave beaucoup pour sa initiative qu'il prend, réunir la diaspora mauricienne et l'île Maurice, très, très nécessaire pour l'avenir du pays. Merci. Et moi, Richard Narensami, ben, voilà, ben, ça fait 32 ans que je suis en France. Et ben, mon animateur de radio, ça fait assez longtemps, et qui me suivent tout de près à tout ce qui passait à l'île Maurice, ben, d'annonces, ben, d'informations, et qui m'ont retransmis tout ça à toute la communauté mauricienne ici en France. Et c'est une grande, grande communauté qui m'a très, très appréciée. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lindsay. Si vous ne me trompez, c'est dans Marseille, hein? Dans Marseille, tout à fait. Nous dans Marseille, oui. Très bien. Et nous dans le très studio, là. OK, très bien. Bache et Sambi. Bonjour, bonsoir à la communauté mauricienne. Moi, c'est Bas. Possiblement, tout le monde pourrait connaître moi. Tu fais un petit live, un petit vidéo. Et par contre, moi aussi, moi dans les social, même plus de 20 ans moi, à l'étranger, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Feed the Needy, Help the Helpless, Home the Homeless. Et en même temps, ici, bon, en ce moment, on habite en Angleterre. Je travaille un peu spécialisé dans la santé, le sport et l'éducation pour les special needs. En même temps, mon activiste pas ici au niveau mauricien, on va dire, international, mon activiste dans Equality, Diversity and Inclusion et en termes de recherche dedans aussi. Et je dis merci à Dave et 100% citoyen pour rassembler toute la communauté mauricienne. Merci. Merci, Vache. Ricardo, micro pour toi. Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, Ricardo Mougine, récent Suisse depuis 19 ans. Je retourne Maurice entre deux. Donc voilà, moi, dans le domaine du social, mon directeur adjoint d'une institution et une fondation qui occupe les enfants.
passé par le tribunal de mineurs, mais aussi expert dans l'école sociale. Et voilà, moi, que pour qui me l'a aujourd'hui, pour qu'il était quand même exactement qui nous capable de faire pour qui nos pays avancer. Et surtout, moi-même, moi, personnellement, l'école qui n'est chouée avec moi, Maurice, c'est pas moi qui n'est chouée, mais c'est l'école qui n'est chouée. Parce que, du coup, je fais des fois pour me faire Maurice et je viens ici, je réussis tout à l'école. Donc, du coup, par rapport à mon parcours, moi, à cœur, pour qu'il était quand même capable, sans ce système-là, ou faire lui évoluer, et à quelle manière que la diaspora aussi, qui nous tout capable, et ça merci beaucoup pour Adev, parce qu'il nous est d'un coup, manière très concrète, qui nous capable faire pour faire avancer le système depuis l'extérieur, parce qu'à travers la technologie aujourd'hui, nous encore beaucoup plus proches, et nous à cœur, en tout cas moi personnellement, très à cœur par rapport à mon pays. Donc voilà, bon débat à tous. Merci Ricardo, si j'étais un peu million de dollars pour vous mettre par là, donc contactez Ricardo, lié en Suisse. Donc, in to fee, ou toi, Stéphane? Allô, oui, étale-moi là. Étale-toi, Kin. Oui, oui, ok. Kin to fee, moi, je suis à Ottawa, Canada, depuis 40 ans. Et moi, quand Dave, à peu près 4 ans, une jeune Maurice, je connais que tu as pu faire, pour supporter ce initiative là-bas. Je suis un architecte naval, et moi, je suis dans Canadian Coast Guard, moi, je suis dans Marine Pollution Prevention. Et puis, maintenant, mon retired, mon auteur, pour faire séminaire international et Singapour, Malaisie, Maurice. Alors, c'est ça. Et alors, mon envie de contribuer, moi aussi, on a beaucoup à contribuer pour l'avenir de Maurice. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ken. Nicolas Anodin. Oui, bonsoir, trouve-moi là. Canadien, mais correct, carry on. Ok. Donc, Nicolas Anodin, Maurice fait partie, sans son citoyen. Maurice, donc, candidat au Maïbourg l'année dernière. Maurice, récente la réunion avec Maurice. Moi, entrepreneur. Et là, déjà, Mandibune, tu peux écouter déjà. Il y a déjà un petit projet, vu que moi, à Maïbourg en même temps, il y a déjà un petit projet qui est en route. T'as embryonnaire et me fait trouver beaucoup de applications pratiques par rapport à ce qui dit ban profil qui est là Monsieur Paratian de docteur notamment qui est à la Réunion entre Maurice et la Réunion l'autre Mauricien aussi Kevin je crois qui est à la Réunion. La Réunion c'est l'avantage d'être à côté de Maurice et donc il y a pas mal quelque chose qu'on va faire depuis ici, c'est une diaspora à côté quoi. Voilà pour tout. Merci Nicolas. Vachiste, bonne camarade qui peut encore mettre micro off, please. Nicolas et Alison Moukran aussi. Le problème de micro. Vas-y, Vachiste. Oui. Bonsoir, moi c'est Vachiste Porcelou. Je suis à Londres depuis 15 ans, mode domaine informatique. Résumé, je viens de aujourd'hui, c'est pour que le right to vote, ban citizen de Maurice, abroad. J'ai commencé une pétition l'année dernière, avant l'élection 2019. Une fine arrive presque au vote 2500 signatures. Mais following from that, parce qu'il n'y a aucune action. So, mon commence une plateforme, appelle mon vote, mon la voix. And mon peut espérer, using that platform, nous pouvons arriver à un point que, maybe avant l'élection 2024, nous tous avons la chance pour nous voter, dans Maurice. Alors, moi, j'espère que nous discutons ça aujourd'hui, nous tous, et nous come up with a solution on to what to do next. Merci, Vachiste. Pravin Davé, ça fait longtemps pendant tout, toi. Pareil, Dave. Tout à moi. Très bien. Ouais. Enfin, moi, je suis comptable, Malone, depuis plus de 30 ans. Et je connais Dave, je connais François, je suis dans la même classe. Il est drôle qu'il devienne à la politique, mais enfin, ça... On s'en connaît parce qu'il y a contribution, on dit vous au Maurice, économiquement très fort, mais nous payons aucune représentation. C'est ça, on s'en connaît pour rectifier ça. C'est, okay. C'est ça que me tient la poussière. Le beau partage, ben, l'idée, là. Oui, oui, c'est ça. Merci. Donc, le prochain, c'est Subiraj Kalichan. Le micro, Subiraj. Micro avant. Carry on.
micro. Soubira, je te tiens ton micro. Oui. Allez, la Corée. Oui, bonjour Dave, je suis Soubira Kalitian de Châteauguay, un navire qui s'appelle Châteauguay dans les banlieues de Montréal. Moi, au Canada, nous sommes à bord de New York, un navire qui s'appelle Plattsburgh. Moi, originaire de Melrose, Montagne Blanche. Et mon homme d'affaires dans le Canada depuis environ 18 ans. Moi, j'ai envie de remercier plutôt une initiative qui te fait prendre Dave. Et puis, en deux mots, je suis bien optimiste. Je veux remercier toute la famille diaspora qui est devant moi. Je vous dis un gros bravo, un gros merci. Eh bien, voilà, c'est tout ce que je vous dis pour l'instant. Merci beaucoup, Dave. Merci, Soubirage. Soubirage est un successful entrepreneur mauricien dans Montréal. Notre ami Julien de Joburg. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de me tenir à votre format, Dave. Merci de nous avoir invités tous ici. Mon grand Dicat Bone et qui est Pip, mon étudié Sud-Afrique. Mon reste la Chine pendant un bout de temps et là, mon retour en Sud-Afrique. Mon en Bicom, mon peut étudier la loi. Et mon éco-entrepreneur, mon transformant déchets alimentaires et organiques en compost. Je suis le fondateur et copropriétaire de BioBit Mauritius. Et je tiens aussi à préciser que je ne représente pas la diaspora sud-africaine parce que je n'ai ni le mandat, ni l'autorité. Et je suis bien heureux que nous soyons tous autour de cette table virtuelle pour que nous puissions causer. Merci, Dave. Merci, nous tous, bon citoyen présent à travers le monde. Claude Maris, au commun rat, toi. Non, Dave, je crois. Tu as fini de présenter. Oui, sorry. Ouais, voilà. Vanessa Nagapi. Je dis, enlève mon micro, c'est peut-être moi. Bien. Oui, plus tard. Donc, moi, je m'appelle Vanessa Nagapi, Maurice Yalan. Je suis sorti au bassin Rosil, dans Maurice. Et ça fait plus de 13 ans que je suis ici en Irlande. Et aujourd'hui, mon envie jouer, pour guetter, en fait, comment ça peut passer. C'est grâce avec tous nos diasporas à travers le monde, nous capables d'apporter une solution pour qui demain nous tous nous capables de voter. Donc voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'il me peut dire et m'espérer nous pour réussir dans ce petit combat là, tout ensemble. Voilà, merci. Merci. Bon, l'écran est bougé là, qui sonne là, qui allez Fadil Moulabux. Après c'est Sumita. Bonjour, bonsoir. Bon, je me présente moi-même, Fadil Moulabux, 27 ans et habitant de Maurice, un comptable de profession, mais aussi un entrepreneur maintenant. Et aujourd'hui, nous là, nous sommes en écoute ensemble, comment nous sommes capables de faire quelque chose bouger. Merci, Dave. Merci, Sumita. Oui, bonsoir et bonjour à tous les gens qui sont là aujourd'hui. Je remercie Dave pour donner ça l'opportunité pour pouvoir causer dans sa plateforme-là. Moi, je m'appelle Suminta, je suis sortie dans le Nord, Maurice. Ça fait à peu près 12 ans que je suis en Irlande. Et je travaille comme administrative dans une compagnie de construction. Et je suis aussi étudiant en fabrication de produits pharmaceutiques. Et voilà. Et je voudrais aujourd'hui partager l'idée et que. Attendez qui banne les autres intervenants et n'a pas dire ce qui me passe tout dernièrement de Maurice et aussi à propos de l'idée comment nous aide nos pays en ce moment. Voilà, merci. Merci Suminta. Moi, Jory Trifilio, après c'est Dave. Bonne toi. Allô, vous m'entendez là? Excellent. Allô? Toi. Oui, ouais. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Marjorie Trifilio La Violette. J'ai vécu en France plus de 36 ans et mon retour dans le pays depuis 2012. Mon métier de base, c'est coach sportif et dans le domaine de la santé. Créé une association ici à Maïbo, Côte Morestée, qui s'appelle Combat Femmes Créoles, qui vient en aide à toutes les femmes un peu en difficulté.
Et depuis l'année dernière, on a intégré le groupe 100% citoyen. Côte Mon pose vos candidatures pour les élections générales. Voilà, donc merci à vous tous d'être là. Et puis, merci pour votre merci participation. Votre Dave, bonjour. Dave? Cousin, oui. T'as moi là, Dave? Là, nous t'en toi, Cousin, allez. Okay. Oui, moi, je m'appelle Dave, moi, je suis dans de Oudo Village, sur l'île Maurice. Je rentre au Canada, l'année 84, pendant 37 ans maintenant. Et je suis bien content que nous puissions gagner une nouvelle personne dans Maurice, comme Dave Sanarty, comme leader du parti. Souvent, je peux trouver que tous les temps, même quatre, Paul Béranger, l'autre. Aujourd'hui, je suis bien content que je puisse trouver une nouvelle personne dans l'île Maurice qui propose candidat comme premier ministre. Merci. Merci, Dave. Donc, Kathleen Sibel. Bonjour, Dave. Bonjour, tout du monde. Donc, je m'appelle Kathleen Sibel, actuellement basée à La Réunion, mais je passe plusieurs années en France, en Angleterre, en Suisse et en Afrique de l'Ouest, notamment pour mon étude et puis finalement pour travail. Mon travail dans tout ce qu'appelle la biodiversité et l'écologie au sens large. Bien sûr, ce qui est arrivé, Maurice, c'est un sujet qui touche moi à cœur, mais bien frustré qui nous, à l'étranger, pas qu'à faire non rien. Donc, c'est une bonne raison qui fait un mot là. C'est pour guetter qui me capable à faire pour changer quoi que ce soit. Pour mon pays, qui peut aller avec un rythme vraiment, on va dire, pathétique. Donc voilà. Merci, Dave, pour sa initiative là. Et donc, qui s'en a qui peut encore causer? Il y a Mike Gawi qui me fait trouver là-haut. Mike, micro à toi. Bonjour. Est-ce que tu m'entends bien, Dave? Très bien, Carrière. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette initiation de prendre pour 100% citoyen. Moi, je me base beaucoup cause créole. Hein. Si elle a un petit mot français, vini, pas besoin de casser la tête. Je suis basé, enfin, me basé depuis plus de 40 ans à Paris. Mon est Maurice, donc voilà, mon travail dans la presse, moi aussi animateur radio et mon travail dans l'événementiel également. Donc voilà, et ben en tout cas merci beaucoup pour tout ce partage là parce que nous trouvons il y en a beaucoup du monde de partout. Et ben, j'espère que le débat va être fructueux et que ça va apporter quelque chose pour l'île Maurice. Merci Mike. Nous finissons faire le tour ou reste Bouchan, me trouver. Bouchan, tu vas qu'on présente toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut encore présenter parce qu'il me trouve dans une galaxie table. Ah, ça oui, moi, non. Allez, Dave. Qui s'en a? Bouchan. Allez, carry on. Donc, bonsoir et bonjour à tout le monde. Bouchan de Montréal. Papé, trouve-toi. Hein? C'est l'informatique. La vidéo. Qui... Allez, carry on, continue. Donc, ça fait bientôt 6 ans qu'ils m'ont installé ici à Montréal de profession informaticien. J'ai eu l'occasion de travailler avec Dave sur plusieurs projets, notamment... C'était l'hôtel Holiday Inn, plus mes autres projets à l'île Maurice. Donc, gros merci à Dave, puis bonne continuation. Merci, Bouchan. Qui s'en a d'autre pour me présenter? Moi. Marie-Roseline. Oui, Marie-Roseline. Vas-y. Bon, ben, je me présente moi, hein, Marie-Roseline, un ancien habitant Terre Rouge, Côte-Rond-Point-Terre Rouge, hein, l'île Maurice. Et qui, moi, en France, depuis bientôt 25 ans, bientôt. Et puis, mon travail pour la région Grand Est, dans Strasbourg. Mon travail comme ATTE, adjoint technique territoriale d'établissement enseignant. Et que récemment, nous faisons une association, que nous regroupons toutes les associations mauriciennes dans la France. Que nous pouvons faire mars, nous aussi. Toute l'association, que l'association-là appelle la diaspora mauricienne en France. Et puis, mon passion, c'est dans la danse, c'est la Sega. Moi, j'adore danser la Sega. Mon récit amène la Sega dans mon établissement pour mon travail. Voilà. Et je me remercie pour la chance que nous partageons tout ça aujourd'hui.
Merci. Mike Gauri, il y a ton micro qui peut jouer. Peut-être tout à passe derrière toi. Laisse le silence, s'il te plaît. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui l'a oublié ou tout le monde est présenté? OK. Donc, Covilaine, à nous démarrer, Astia. À nous, tu nous présentes, nous. OK. Donc, vous passe-toi le micro, la manette. Ben, nous passe à la suite. Merci encore une fois qui tu m'as demandé fin présente zot mo pour démarrer vite nous désinfine épuise quelques on pensait 45 minutes il y en a demandé qui fin donne à 4h30 c'est-à-dire à 7h30 et nous désinfine à peu près 1h15. Laisse-moi rentrer dans le vif du sujet et parmi tout un sujet qui est là. Et ça, je prends le temps de note et encore une fois, quand on écoute Nathalie qui dit nous remonte ben l'information au gouvernement, et ça, c'est une espérée qui s'est ben l'information-là avec nous, initiative, surtout Dave, et qui s'est ben l'information-là pour remonter au gouvernement. Espérée qui ben Dimon avec et veiller à ce qui est ben, l'information correcte, qui est causée, qui n'est pas causée, si nous pouvons faire ben, entorse à la loi, remonte ça au gouvernement qui démarche, comme il y a des gens dans le monde entier, aujourd'hui, Finzuan, pour nous débattre de ben, l'actualité et brûlant. Et comme on écoute, Bash, à la langue causée, l'idée de faire l'equality, diversity and inclusion, on va penser avant qu'ils nous débattent, sur la réforme électorale et nous bisin connaît qui c'est une des bonnes raisons qui bisin est la réforme électorale pour qui nous est là justement fairness et socio-demographic inclusion et en même temps madame qui l'a and gender equality c'est ça qu'ils ont dit il y a un problème dans Maurice parce qu'il peina sa représentation qui tout bon politicien aujourd'hui causé dans un pays, dans une plural society, une democratic society, surtout plural, tout bon politicien qui causé vient juste avant les élections, vient re vote, mais par contre, tout bon case qui peina même à la Cour suprême, final devant les UN organization dans la Suisse, mais le gouvernement n'a pas fait une fin en lien. Donc, c'est pour ça que quand un politicien cause nous donne pays lancanciel, nous donne pays multiracial, et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un politicien, il ne fallait pas seulement cause un joli causé, mais aussi faire de sorte qu'il y ait sa inclusion sociale, inclusion plurielle de nos jolis pays l'enquanciel. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qui est à la base quand nous causons l'inclusion sociale. C'est pour ça qu'il y a du monde cause réforme électorale, qui fait bien la réforme électorale. Tout ça, mon camarade, la diaspora à l'extérieur de Maurice, peut cause droit de vote, auto-vachiste, une très bonne initiative, peut faire une démarche pour faire du monde signer, signer une pétition. Mais malheureusement, c'est une très, très grande démarche, mais malheureusement, l'IPNA, ça a la force légale pour forcer le gouvernement à prendre une décision sur basée l'eau, et il n'est pas même dans la Constitution, et pour nous forcer le gouvernement à prendre une décision qui vise à donner le droit de vote. Quand nous cause le droit de vote, aussi nous cause le droit d'être un candidat. Comme un camarade, tu as là, tu dis dans la réunion, mais il a la chance pour être voté, mais imaginez-vous, si on dit au Maurice, plus qu'il 6 mois, et on dit au plus qu'il 6 mois, ou pas capable d'être candidat, légalement, d'après la Constitution, et si jamais au final élu, et d'un finina man case, pena précédence, mais finina man case, et final la cour, et tout le monde n'a pas contesté ça. Donc, sur la réforme électorale, système électoral, et encore une fois, il est très important qu'il y ait un système électoral solide, et stable, et qui est basé sur, encore une fois, le nouveau modèle démographique de l'île Maurice, et qu'il y ait une inclusion, d'ailleurs, quand il y a une inclusion sociale, d'ailleurs, il y a une
avec un plusieurs du monde qui finit écrire d'ailleurs, il y a plusieurs du monde qui finit venir avec un soi-disant réforme électorale et quand nous fait une cause la représentation proportionnelle, mais quand nous cause la représentation proportionnelle, encore une fois, nous continuer le ça peut même commencer. L'eau, la représentation proportionnelle, qu'on cause proportionnelle, c'est-à-dire que tout le monde a la chance égale et que tout le monde a la chance d'être élu, mais non plus, il y a un système électoral ou bien un découpage électoral qui, dans le jargon de la science politique, on appelle le gerrymandering, un monde qui fait un champion, qui fait un expert dans le découpage, d'ailleurs, pour qu'on sache bien, dans le découpage des circonscriptions à Maurice, c'est bien le MSM, Aniro Jagnat, ça m'a capable de dire à 100%. C'est Aniro Jagnat qui fait un expert en gerrymandering, un découpage de la circonscription. Donc, l'important, nous venons avec un système électoral avec un bon dosage de représentation proportionnelle, mais en même temps, mon camarade qui l'a, écoute-moi, mais du monde qui live, l'épine qui fait du mal, beaucoup de politiciens qui pensent autrement, l'épine du système électoral, c'est le BLS, c'est le Best Loser System. Et c'est ça qui fait du mal, et c'est ça que nous cause, encore une fois, l'inclusion de tout le monde, quand nous cause le Best Loser System, nous connaît qui est le monde qui rentrait comme Best Losers, et donc, bizarrement, il y a l'équivalence du best loser système en même temps d'un système électoral. Merci. Oui, on nous laisse nos bonnes camarades, un porte-parole pour le pays, faire ce commentaire par rapport à ce sujet de réforme électorale et best loser ou pas, etc. Ben, nous commençons par Marie-Rosine en France. Merci. Alors, moi, je suis plutôt pour le. Une réponse à notre premier ministre, c'est qu'il y a une cause de la diaspora normalement. Au cas d'un lit, ce coco, il y a un problème. Au cas d'un lit, ce d'affaires. Alors, vous connaissez la 2 minutes 30, ce n'est pas un peu difficile pour donner tout ce coco. Ben, je bien voudrais répondre à ce façon de parler qu'il y a une parole de la diaspora. En tant que dias, je peux dire à notre premier ministre qui nous mauricien. Je pourrais être mauricien. Je suis mauricien. Quand il dit à nous, c'est la première fois qu'il trouvait que la diaspora est manifestée en dehors de Maurice. Même en France, mais il y a entier le monde, il manifestait. Il dit jamais qu'il trouve ça. C'est que moi, j'ai envie de dire qu'il y a toujours une première dans la vie. Et la première, c'est dit ça. Il trouvait que la diaspora, il manifestait en dehors de l'île Maurice, dans le monde entier. Ça, c'est une réponse qui dit, vous allez mettre ça dans la tête. Quand l'India, il n'est pas pour qu'il est, mais nous, nous pas pour aller. Nous aussi, nous pas pour quitter. Et encore, il dit que c'est la première fois, ça, on nous a trouvé ça au grand du monde, que pas mon grand du monde. Ben, l'île, il peut montrer aux enfants demain pour dire, mon grand du monde, tu fais un erreur, quand il dit, il n'est pas une faute. Mais d'une faute, ses enfants demain pour dire pas la faute de mes parents, la diaspora tire au chemin dans le monde entier. C'est vraiment une première qu'il a créée qui pour rentrer dans l'histoire. Et après, les causes des affaires, il dit qu'il ne pas content nos pays. Nous pas content nos pays? Nous soulagent-li, nous tire sur fort d'eau. Quand Covid, tu fais d'une balle dans Maurice. Et dans du monde, qui est informel et non qui est informel, ben, qui travaille grammaticalement tantôt. Ça va dire que nous sommes en dehors de Maurice et dans notre famille qui font partie. Qui nous fait? Nous soulagons au fardeau, nous n'avons qu'à nos familles. Nous participons dans l'économie mauricienne. Quand nous faisons notre français, moi en France, français vient à Maurice, tous les années, moi-même, 10 personnes au moins. Comment nous dire tout pauvre, nous pas dire touriste parce que je ne suis pas capable dans l'hôtel. Mais nous faire promotion de nos pays, nous amène du monde dans là-bas, dans Maurice, sa devise étrangère, la côte dépensée, dans Maurice. Ça, l'argent que nous avons envoyé nos familles là, côte qui sortit dans l'Europe, dans l'Afrique.
qui sortit ailleurs quand il rentrait, il venait des visites étrangères, nous participer. Tout Mauricien, au moins 99% Mauricien, il ne fait rien à cause dans Maurice. Ça, alors, j'en ai que sorti pour faire ça du mon travail dans Maurice. Ils sont en dehors Maurice. Nous participation dans l'économie mauricienne. Quand ils disent qu'ils nous comptent en nos pays, soi-disant, mais s'ils ont dit nous en dehors nos pays, ça veut dire qu'ils ne pas gagner nos sens là-bas. Nous n'avons pas nos sens ailleurs. Nous capables de dire, nous capables de dire nous la vie en dehors Maurice, ni vraiment jolie. Parce que dans le pays qui nous était, ils n'accueillent nous, comment vraiment une grande famille, ils n'accueillent nous les bras ouverts. Pas choisir couleur, race, qualité. Ou manière, communication, que tout sorti, pas choisir tout ça. Moi, je suis capable de dire, dans l'endroit que je travaille, que du monde, tu as l'île Maurice, là, je n'arrête pas de travailler, nous raconte l'île Maurice. Alors, l'Ipavine dit à nous, c'est la première fois la diaspora peut manifester. Mais la première fois, monsieur le premier ministre, c'est vous-même qui nous mettez ça dans l'histoire. Nous pas bien manifester. Nous ne pas capable de faire un bif travail, souvent le manger. Nous assisons, nous pas manifester, Mauricien manifester pour nous là-bas. Après qu'il est arrivé, le temps nous rentre là-bas, nous venons de bonne manière, nous disons oui, il va nous dire nous, quand nous manifestons que nous étions. Ah ben ça même nous dehors, nous nous montons en association, nous pouvons regrouper tous les Mauriciens dans la France. Nous aussi, nous pouvons ensemble, nous pouvons aussi mettre des mains. Merci. Merci, Marie-Rosine. Et Didier Castagnier qui peut lire la main, qui vient intervenir, si tu donnes des permissions. Peut-être tout à l'heure, si au moins nous finissons le premier tour, sinon les pouvines un petit peu compliquées. Hein, Didier, garde tes questions pour la suite, s'il te plaît. Donc, docteur Yuva Paratian de La Réunion. Oui. Alors, moi ce que je veux dire, c'est que, premièrement, mon pensée, l'important qui ça manifeste, mon bien manifeste hier, tout à fait par hasard, mon pas au courant qui peut dans sa chose là, mon bien manifeste hier qu'il a l'express, donc mon petit pour conseiller tout ban du monde de la diaspora d'aller lire sa manifeste là et nous capable build up l'eau là avec manifeste qui citoyen 100% citoyen de faire depuis 2018, vous pensez les points intéressants, nous build up l'eau là. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, au plutôt Marie-Rosine depuis Strasbourg quand on fait mon étude et quand on a mal l'intérêt effectivement là-bas et l'ipécose l'eau la peau ban diaspora et bon tout ça extrêmement important non seulement au niveau de la ressource des ressources fait de FDIs de amène casse Maurice amène devise Maurice mais aussi au niveau de ressources humaines. Et l'expérience qui nous est là, et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous prend une pensée unique. Et ça, c'est un effet fondamental qui a Maurice Nubizin, et dans différentes pensées pour nous capables, et dans pas seulement l'invention, mais l'innovation. L'invention coûte de l'argent, mais l'innovation ramène de l'argent. Et nous, on peut, les gens de la diaspora, ils ont l'expérience donc, dans tout ça là, et type point d'affaires intéressant au niveau sport, au niveau de la musique, au niveau culture, au niveau médecine, au niveau de la santé, au niveau social, etc. etc. Sans mot d'envie, il est important. Et dans manifeste qui nous écrit alors l'Express, là, qui date de hier, il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui quand même intéressent toute la famille de la diaspora mauricienne. Et ça. Mot d'envie aussi, il y a une affaire, c'est qui Didier Souben, qui réunit tout le monde mauricien ici avec Wingo Vinden, avec nos camarades Nicolas et Kathleen. Hein. Et donc, je pense qu'ils mettent en place, dire qu'il y a un mauricien qui réussit et un mauricien qui est là, qui est capable, je suis capable, tout ça, sa mission qui peut dire, qu'il réussit, il y a une rate forme 3 à Maurice et qu'il réussit ailleurs. Et là, les développeurs nous connaissent et c'est tant mieux. Et c'est vrai, c'est l'école qui nous a fait rater. Et nous vient régler ce système-là. Moi, je suis allé à et je trouve ça bien dommage qu'il me dise pas ça. Quand cette difficulté-là, parce qu'il nous donne un système élitique, et ce n'est pas ça qui est nécessaire dans un pays comme le nôtre. Donc, ce qui est important, à mon avis, c'est Révin dans sa manifeste-là. C'est l'école qui nous a fait rater. Et nous vient régler ce système-là.
Et en même temps, nous ajoutons là, nous enrichissons et nous permettons de nous mettre en arrière. Là. Politique, et ce n'est pas ça qui est nécessaire. Et il y a un camarade qui va mettre le micro, le micro. Chacun du groupe Bacan, s'il vous plaît. Chacun du groupe Bacan, coupe micro, s'il vous plaît. Ah, sorry. Je peux terminer très rapidement. Il y a beaucoup de bonnes affaires qui nous besoin faire dans Maurice, mais pas forcément faire comme nous, l'idée qui nous est là, parce qu'il nous dans différents types de diaspora, dans différents pays, sachant qu'à l'île Maurice, nous un petit peu, un petit caillou qu'il y a tout bon les peuples qui émigrent des pays ailleurs et qui aussi, je trouve ça anthropologue là depuis Canada. Vous pensez qu'il y a une approche anthropologique dans Maurice et que nous pas forcément besoin d'un médicament comme un européen et là. Le cas développe nous un own médicament nous-mêmes et nous une possibilité qui existait. Merci beaucoup. Merci, docteur Kobilan, téléphone 6 points. Non, ça va, Dave, mon histoire. OK. Ben, Mountain cause beaucoup par rapport à FDI, Forex, l'argent, les devises étrangères qui rentrent dans le pays. Donc, Kevin, si vous avez un petit message, tel est là, le fait qu'il est un petit peu malade, il n'est pas capable de participer. Donc, l'estimation, c'est qu'il y a 4 milliards de roupies qui sont aussi étrangers, qui passent par le circuit bancaire qui vient de Maurice depuis la diaspora essentiellement. Donc, ça nous fait causer l'argent direct qui passe dans le circuit bancaire. Il n'y a pas de cause de acheter billets d'avion, l'air Mauritius, l'achat d'un terrain, l'appartement, etc. Puis, tout ça là, il concerne l'argent qui est la diaspora investi dans les pays, cause aussi payer taxes, ils ont été la terre, ils ont été dans la case, etc. etc. Donc, le prochain Abirai de Dielan. Oui, merci pour le droit de parole maintenant. Première chose, me tient envie juste attirer l'attention que tout ce qu'il aura plateforme là aujourd'hui, nous tous nous représentons nous dans la diaspora, mais personne parmi nous pas élu dans le pays que nous étions pour représenter la diaspora. Nous représentons nos propres voix, pas la voix mauricienne dans le pays que nous étions, qu'il y ait en Irlande, qu'il y ait en France, qu'il y ait n'importe qui côté. Donc, nous peine élu, nous peine le mandat pour représenter la diaspora. Donc, première chose, réforme électorale. Irlande, nous fait une brainstorming session mercredi avec plusieurs Mauriciens, mais pas beaucoup rentre dans débat là aujourd'hui. Nous tiennent à 9 points. Mopé présente 5 points rapidement et Callison pourrait présenter les restes. Donc, la première chose, réforme électorale. Mauriciens, donc, nous tous, nous pouvons penser, nous pouvons overlap au saban point qui nous peut présenter là. Nous tous, Mauriciens, nous ramène l'argent dans le pays. Il fait ban dimoun qui peut sortir des bidons Commonwealth, peut vivre dans Maurice pendant 2 ans, je peux gagner le droit de pauvreté. Mon pointe du doigt, ban Bangladesh peut vivre dans Maurice, peut gagner le droit de voter après 2 ans. Ban Indien peut vivre dans Maurice, peut gagner le droit de voter après 2 ans. N'importe qui, dimoun du Commonwealth, peut rentrer dans Maurice, peut gagner le droit de vote après 2 ans, il reste au pays. Et n'a même, si je ne me trompe pas, il y a même ban dimoun qui vivent dans Maurice 2 ans, quand vient l'élection, peut gagner même casse pour revenir dans le pays, juste pour venir voter, reprend avion, retourne dans un pays. Tout ça là, paye, non. Mais nous, Mauriciens, qui nous contribuons dans l'économie Maurice, quand on a les vacances, on a une casse. Et il y a des gens qui nous rendent la casse dans Maurice, permet une casse. C'est qui peut payer encore, je connais Dave, une cause l'eau, ça, sa licence télévision là. Et il y a Mauricien qui a la casse dans Maurice, peut payer 550 roupies licence télévision là. Tout ça là, bizarre arrêté. Deuxième chose, l'eau, ça, c'était nombre de députés. Donc tout ça là, la constitution doit être vue. Le nombre de députés par circonscription, comment Kovilan expliquait, qui est. Aniru Jagnat qui font partie de décortique comment ban circonscription peut être de cela. Tout ça là, ils décidaient combien l'année de cela. Maurice, ils ont changé, non 2020 maintenant. Tout ça là, bien recensé, bien refaire un recensement, bien refaire guetter côte, combien circonscription bien. Est-ce qu'il nous bien vraiment 60 candidats, 70 moun qui représentent l'île Maurice dans Parlement. Ça, c'est mon premier point. Deuxième, c'est diaspora. Est-ce qu'il
nous pas besoin d'une structure formelle pour connaître donc la diaspora ou les Mauriciens à l'étranger. Moi, je préfère utiliser le mot Mauricien à l'étranger que diaspora. Est-ce qu'il nous a dit combien d'imoun est né à l'étranger? Combien de cas peut rentrer? Je connais la Banque Maurice publié ce bon chiffre et que Shakil il fait un grand travail. Merci pour ça. Mauricien depuis Ireland, entre janvier 2018 jusqu'à juin 2020, il transfère cas un demi-milliard de roupies à Maurice. Et il publie les chiffres de la Banque de Maurice. Maurice peut contribuer dans l'économie là-bas. Nous casse PCAV, l'euro, surtout Yaland, mon cause Yaland, mon récent Yaland, mon papa à cause de l'or, etc. Donc, sa structure qui m'opédia là, nous besoin d'un représentant, nous besoin d'un élu, comme m'opédia, moi, mon papa représente la voix mauricienne en Yaland. Mon père représente mon propre la voix, mais mon vivre en Yaland. Mon envie faire mon la voix attendez en tant qu'un mauricien en Yaland. Donc, besoin d'un bureau de mauriciens à l'étranger qui capable représente nous ici. Nous payons l'ambassade, nous payons un consulat. Côte nous était, nous payons le gauche, nous payons le droite pour Roden Lade. Payons non ici en Irlande. Nous payons au moins minimum obtient 2000 Mauriciens en average ici en Irlande. Troisième point, c'est mon 150 roupies là. Mauricien peut contribuer, peut payer sa licence télévision, même à l'étranger, il y a une la case, il y a un compte électricité dans la case, il peut toujours payer sa 150 roupies là. Comment des gens soulèvent ça point là? Me dit à tout le Mauricien qui peut payer sa 150 roupies là, qui lit en Maurice, qu'il y a à l'étranger, signe sa document qui devine partager la dernière fois, mon corps, il repartage ça encore une fois après, mais signe ça, arrête de payer, arrête de subventionner ça. MBC pour faire 30 minutes de publicité pour, bon, pas pour dire gouvernement, mais pour MSM. Dernière chose pour moi, c'est le Mauricien, ce droit fondamental, liberté d'expression, lit en danger. Ou cause contre gouvernement, ou l'armée fermée. 12 policiers viennent arrêter tout grand matin. Ou un Mauricien qui vit à l'étranger, et n'a pas, et n'a dit, attention, mal Maurice, ben arrête-moi comment arriver, etc. Mauricien qui fait l'IBZPR pour retourner dans ce pays. Quand on compte gouvernement, on en vit cause liberté d'expression, il n'y a pas besoin de menacer. Donc, tout ça là, bizarre arrêté. Une dernière chose, moi, j'ai juste envie, je ne pas connaître. Donc, Dave, je connais un politicien, nous avons une plateforme politique aujourd'hui. Beaucoup parmi nous ici, nous ne payons ni pour, ni contre 100% citoyens. Mais où, aujourd'hui, on met sa plateforme là, merci beaucoup. Mais demain, qui vous peut faire pour nous le diaspora mauricien à l'étranger? Disons qui vous dans le gouvernement. Merci. Merci, Amiraï. Donc, vous pourrez poser une bonne question dans la dernière partie. OK, nous continuons. Écoute, les autres camarades. Donc, Jean-Marie Sozier. Oui, Dave. Donc, moi, je suis basé en Australie. Et la réforme électorale, c'est quelque chose qui me tenait bien à cœur. Quand vous trouvez qui manière ban élection déroulée, ban financement, ban parti, et qui manière ban timoun décide pour votre vote, pratiquement la veille, élection. Après, là, je mettais la croix un jour, après, je sortais la croix pendant 5 ans. Et c'est une affaire qui m'a bien heureuse pour ça. Système best loser, système régis électoral et comment ben ça, électoral commission qui moi pas trouve ça bien comment ben ça, il y a assez et a assez ingérence là-dedans. Ça c'est une histoire qui tenait moi bien à cœur. Après deuxièmement la diaspora qui se contribution, moi pensais qu'il nous ban meilleur ambassadeur concernant le tourisme à Maurice, et Pena meilleur ambassadeur qui nous, en ce qui concerne comment nous promote Maurice comme une destination. Et évidemment, nous-mêmes, nous allons pas se conseiller, mais on va pas se conseiller Maurice régulièrement, presque au moins 2 fois par an. Et c'est vrai que nous avons intérêt là-bas, nous amène touristes, nous amène l'argent, nous dépenser. Et nous aussi, une connaissance. Moi, l'épisode Wakashio, il choque moi. Réaliser à qui point il y a une déficience dans le système maritime. Et je partage un peu même domaine avec Kin concernant la lutte contre la pollution marine. Right? Je connais qui
quand moi aider nous t'y offert l'aide Maurice. Malheureusement, le gouvernement a trouvé qu'il n'est pas trop trop important gagne l'expertise, etc., etc. Et dans beaucoup de choses qu'il m'a trouvé nous capables d'amener à Maurice. Et donc, alors, c'est une autre affaire qui nous fait créer des trois camarades. Nous avons une plateforme, un groupe qui nous appelle Right to Vote, Mauritian Diaspora. Donc, si vous n'êtes pas comme ça, je conseille vous de join nous là-dedans. Nous avons l'équipe qui peut travailler leur côté légal pour aider de quelle manière, si jamais un jour, la constitution à Maurice et donne nous sa droit de vote là, ben, qui nous pourra pas faire là-dedans. Donc, ça, c'est en grande ligne ce qu'il nous peut faire en Australie. Donc, et moi, bien, bien content qu'il me trouve un tas de monde et depuis tous les coins du monde. Et moi, penser qu'ensemble, nous bien capables, sans un peu situation, Maurice, parce que quand même, nous bien admettre qu'il est maintenant la situation bien, bien catastrophique à Maurice. Dave, est-ce que mon camarade a la possibilité, exprime-moi des minutes? C'est qui s'en a fait causer? C'est DJ Castagnier. Non, pas maintenant. Le troisième round, comme on utilise partagé au début. Sinon, il bouffait un petit peu des autres. Mais go to point, note-le. OK? Quand nous prévient l'eau, l'Atalia. OK. Ban chef d'équipe, c'est ça? C'est ça. OK. Merci. Donc, Moyo pointu, qui dans le pays côté de Ntakas, la Suisse. Ouais, bonsoir à tout le monde de nouveau. Voilà, moi, ce qui me dit, franchement, c'est de plus en plus, franchement, ça fait dégoûtement par rapport à la politique, Maurice. Vraiment, comme on vit par rapport à la diaspora, pour moi, c'est vraiment la façon qu'il vient parler, Ternat, c'est vraiment dégueulasse de sa part, quoi. Mais ça fait qu'il inquiète moi beaucoup. Moi, il y a à cause l'eau sorgos. Hein? Moi, je me peux envie, quand il y a fait manifestation, hein, pour faire un sorgos, en même temps, je me peux envie, dire à nous aussi, à Galega, qui vraiment, qu'est-ce qu'il y a là, vraiment, donne-nous la transparence là, parce que ça vraiment inquiète moi beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Parce que là, on fait clair un article, il paraît, ben, du monde à Galega, il n'est plus capable d'amener un cabri, je ne sais pas, ben, quoi, pour se faire les bases. Mais ça m'a dit, comment vous faire? C'est dans 2010, les gars, c'est la résistance de poisson. Ça inquiète moi, ça vraiment inquiète moi beaucoup. Qui, parce que comme vous voyez, tout le monde, c'est simple, ben, la loi qui peut passer, ben, la loi Bobor, hein, la loi là, ça m'inquiète beaucoup. Est-ce qu'il y a un bureau à Capor Pays là pour être capable de rester ministre pour tout le temps, en même temps, il fait une base militaire, le Sorgos? Si un peu nous sommes tous à Galega, si n'a pas que ce soit un bagarre de Maurice, comme ça, les Indiens viennent bien écrit. Parce que pourquoi anglais, pourquoi c'est fini maintenant? Après, ça fait que moi, je vais bien comprendre. Ça fait que moi, je vais bien comprendre. Comment, du moment que Maurice est une république, pourquoi il est plus comme parti le bon, pardon, si je me suis trompé, il est plus comme parti du Commonwealth. Mais comment se fait-il que les Indiens, je viens déjà Maurice, je viens de côté. Je ne suis pas capable de voter parce que c'est la République. Et puis, il y a un petit peu de aussi, encore de nouveau, le système électoral là. C'est vrai que ça avait des sujets là, mais pas tellement d'accord avec ça. Et puis, moi, je trouvais bien un moment, après sa provenance ethnique, qui faisait un moment quand vous indiquez, vous avez dit à quoi vous et qui religion vous était, ça, c'est une façon de voter communal. Je trouve ça vraiment de violence. Vraiment, je suis désolé pour mon grossièreté, mais c'est vrai, quoi. Après, moi, je me suis posé aussi, quoi, je ne sais pas si on s'en va ce système-là, vraiment, mais qui, pendant, ben, tu vois, il y a un droit de 2 ans. Fait qu'on peut être dans tous les pays. 2 ans mandat. Et puis, ça, 2 ans mandat, ça, 2 ans mandat, il y a un droit. Et puis, bien, tout le monde a un système que tout le monde est capable d'être un premier ministre. Qui soit chinois, qui soit musulman, qui soit indien, qui soit créole, de tout capable d'être un premier ministre. Vous êtes un système, vraiment, capable de faire que tout le monde vraiment, nous, Mauriciens, quand nous causons Mauriciens, plutôt Mauriciens, un seul peuple, mais, m'a remarqué, une seule catégorie qui est la tête du pays. Alors, nous gestionnons ce système-là. Voilà, mais bon, il y en a beaucoup qui se disent, mais voilà, pour donner le temps, parce que vous demandez de sourire, parce que mon batterie, il peut dans mon corps, il peut trop changer. Alors, je laisse la place aux autres pour parler. C'est-à-dire, je vais vous laisser sortir un petit peu.
Merci, Moyo, mettez le George. On fait un petit point, Lola, Dave, s'il te plaît, parce qu'il est important qu'il me trouve Mario, fin cause, le Chagos et Sir Agalega. Il est important qu'il trouve un camarade qui le plateau, qui peut débattre aujourd'hui. Abira et Vindy, la liberté d'expression menacée. Il n'y a pas autant qu'ils le connaissent, qui finit nos droits criminels à Maurice, surtout la section 76B, qui a demandé tout dernièrement, quand encore une fois la liberté d'expression menacée, mais peu importe, quand tu étais dans le monde, ou faire un commentaire qui déplaçait, ou faire un commentaire qui était critique, l'île appartenait à l'île Maurice, il vient un délit criminel passible à 5 ans de prison et 500 000 roupies d'amende. Et d'ailleurs, je vais faire un premier commentaire quand ça vient là, c'est venu, je vais faire une déclaration de radio plus d'un défi. Et quand fait finalement, finir un tollé fin levé, quand je fais une amende réamendée, et bien là, fin passé, il vient la loi, il est en vigueur. Donc, c'est une petite parenthèse, plus de tout. Merci. Merci, Kobilan. Donc, Subiraj, de Montréal. Ton micro, Subiraj. Ton micro. Tu m'écoutes pas là? OK, carry on. Eh bien, Dave, pour commencer, comment tout peut causer le gouvernement, le gouvernement qu'on peut dire à toi, une diaspora, il n'est plus un patriote de l'île Maurice, quand une quitte Maurice, le critique quand un gouvernement cause comme ça, ici vous considérez qu'il y a un gouvernement qui est complètement hors de la piste. C'est complètement déraillé. C'est triste. Alors, moi, vous pouvez exprimer une diaspora qui est représentée en termes de l'économie de l'île Maurice, comment tu fais une préciser qui va napper des milliards et des milliards et des milliards de roupies à l'île Maurice. Et dans des qualités touristes qui viennent Maurice, il est bien important, ben, Mauricien qui peut écouter moi, que ce soit gouvernement, des qualités touristes qui viennent Maurice, un qui reste dans le resort, ok? Un qui vient, il prend sa valise, parle sur la case, soit il parle dans un campement, ou soit il peut à la côte de sa famille. Alors, ceux qui restent dans le réseau, nous voyageons beaucoup, nous restons dans l'Amérique, là. Mon sens de destination, carrément, mais il n'y a pas à cause de mon obstacle, la drogue, l'insécurité à l'île Maurice, là. Nous allons dire dans le Caraïbe, nous allons dans le cruise, commencer par ici, nous allons. Alors, quand nous allons dans le réseau, beaucoup de gens qui n'ont pas connu, ça des qualités touristes qui m'ont bien expliqué, ceux qui restent dans le réseau, ça va une devise qu'ils ont amené là, ça va des touristes européens, que ce soit des Russiens qui viennent. Chaque resort, il y en a un money changer. Il y a un sens de devise dans un resort, la même chose. Et chaque resort, il y en a des trois resorts qui sont dans Movista, là. Il y a un investisseur qui est dans Movista, là. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit dans un pays arabe. Oui, je peux sens d'un pays, un devise, je peux payer ses dépenses. Le reste, il y a un devise qui permet de faire un touriste, là. Eh bien, ça va un devise qui reste dans Movista. Ça peut retourner back ou bien l'investisseur là, puis dans l'Afrique du Sud. Ou puis dans l'Euro, ben l'investisseur qui investit. Nous, ben, le Mauricien qui doit bêter, nous, ben, une devise, un Mauricien qui descend l'île Maurice. Lendemain, il peut prendre sa couche, il perd la banque. C'est lui qui amène une devise dans l'île Maurice, là. C'est pas ça, ben, l'Européen, là. Sans critiquer quelqu'un, là. C'est sûr. Lui, ben, a progressé, ça, ben, et nous, dans l'économie de l'île Maurice. Mais quand, en termes de devises qu'on nous posait, c'est les Mauriciens comme moi, comme ou mon compatriote qui m'ont guetté devant moi, qui descendent lendemain, nous perdent la banque, dans le sens de leurs hommes. Est-ce qu'ils m'ont posé une question? Je nous ai trouvé un Européen qui fait laquer dans la banque Montagne Blanche, ou que ce soit Grand B, ou Rivière d'Iroport, ou Goodlands, comme ça. Je ne sais même pas où vous trouvez. Alors, nous besoin valoriser, nous besoin encourager nos bandes diaspora. Nous contribuons, nous avons une grosse contribution d'elle. 10 ans avant, un Mauricien qui permet 600 000 passagers, ben, tu peux dire. Dernier 10 ans, après 10 ans, la finale, un Mauricien qui permet, il paraît que 1,1 million de passagers.
1,1 million de passagers, qui veut dire qu'ils représentent 500 000 touristes des extra là. Ce qui n'est pas plus de quoi là, dans la diaspora, elle fait un calcul, elle get les statistiques, dernier 10 balles, combien Mauricien qui quitte Mauricien finalement ailleurs. Alors, ça va une devise qui peut rentrer dans deux mots, ce qui m'a voulu dire, que c'est pas un Européen là qui a une devise qui reste dans Maurice. Ça, c'est nous là, c'est nous qui peut soutenir l'île Maurice. Beaucoup de autres, un des exemples dans, ici, côté nord-est, nous restons dans le Canada, est un pays qui appelle Haïti. Ce pays, Haïti, là, il finit complètement à genoux, aujourd'hui, l'économie down. Vous connaissez ce que ça veut dire dans ce pays-là? C'est dans les États-Unis, au Canada, tout ça, les Haïtiens, les diasporas qui ont des hauts pays, ils supportent d'autres familles. Nous, vous avez pris l'exemple, on dit bon, dernièrement, c'est la catastrophe qui est là. Pas oublier ça, là, d'ailleurs. Dans le Liban, ce ben l'état premier dialogue qui dit premier causé avant le dimanche l'aide internationale qui dit mobiliser ben support de diaspora, il connaît et ben là qu'une supporter le support de ça que pays là je peux encore envoyer l'argent. Ça veut dire qu'il nous vient quitter Maurice, nous pas nous oublier l'île Maurice là, des nous les quais encore dans l'île Maurice là. Moi, mes enfants à l'école, on a mon garçon quand il est dans la cinquième année, là, j'ai besoin de faire autres, il y a 10 ethniques, 15 ethniques dans une classe. Chacun a besoin d'exprimer qui paye Tobini, qui est l'origine de ton pays, là. Moi, mes enfants, t'as plus de papa, mais tout le monde, mes enfants, dans le t-shirt mauricien, là. C'est dommage qu'ils nous puissent trouver que les autres pas encourageants du tout. Je fais manque respect envers la diaspora. Mon message, c'est qu'il faut valoriser la diaspora. Parce qu'il nous a une grosse contribution. Et diaspora pour toujours ici, pour soutenir l'île Maurice. Parce qu'ils ont tout et dans notre famille en cours. C'est ça mon message de mon prochain camarade pour aller en avant. Merci beaucoup. Merci, Souvirage. Donc, on passe à mon prochain camarade, Julien Rambert, tu l'es causé au niveau de l'Afrique? Julien? Désolé, pardon, excusez-moi. Merci de me donner la parole, Dave. Merci à tout le monde qui a causé, à Biraï. Groupe Julien. Tongali. Donc, pour revenir à ce que Pravin Jagnat a dit, je pense que le monsieur est un monsieur très intelligent. C'est un monsieur qui a lui aussi étudié à l'étranger. Donc, pour moi, la façon que je vois ça, c'est que il a dit ces choses-là pour plaire à son propre petit monde qu'il adule. C'est un numéro un. Et je ne crois pas que ses paroles étaient sincères. Ça, c'est ce que je peux dire premièrement. Ensuite, on a parlé d'Agalega, on a parlé des Chagos, on a parlé de ici, là-bas. Et il y a aussi une nouvelle taxe qui a été mise pour les employés du secteur privé, si je ne m'abuse. Et je pense que, et correct me if I'm wrong, mais les fonctionnaires ne vont pas payer cette taxe. Donc, c'est une façon pour le monsieur d'asseoir son pouvoir un petit peu plus. Et ça, c'est, je pense que tous les politiciens l'auront fait. Parce que il faut pas oublier que tous ces messieurs, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les dinosaures, ce sont des gens qui sont là depuis 50 ans et qui veulent rester là le plus longtemps possible. Ensuite, il y a un monsieur qui a dit, sorry, j'ai oublié votre nom, monsieur. Que Premier ministre, si bien capable musulman, l'Itika, sinon l'Itika, ici l'Itika, là-bas. Mais je pense, enfin, j'espère que je suis bon, je pense que l'île Maurice n'est pas encore arrivée à... L'île Maurice n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Bien malheureusement. Bien, bien malheureusement. Ensuite, ce que je voulais ajouter, c'est que ben, on est 40 personnes sur le meeting, nous sommes tous extrêmement concernés par la situation à Maurice. C'est vrai que la diaspora nous amène énormément de fonds à l'île Maurice. C'est vrai que nous sommes les meilleurs ambassadeurs de notre pays, de par notre gentillesse, de par notre intelligence, de par notre Dieu travail. Côte-nous aller nous réussir. Côte-nous aller nous réussir. Et me penser qui ça aussi, c'est Enza Fé qui banne un pépé, parce qu'il nous manque vraiment, nous manque du monde qui réussit, et côte-nous aller, du monde qui nous a bras ouverts.
Et ensuite, tiens un dernier point pour le PS, c'est que la réforme électorale, il faut que ça arrive, le vote pour la diaspora, il faut que ça arrive, mais avant que nous puissions, ou que n'importe qui ne puisse changer les lois à Maurice, ben, il faut prendre le pouvoir. Parce que, allons dire, dans 4 ans, Monsieur Ramoulam revient au pouvoir, j'espère pas. Peu importe qui vient au pouvoir, c'est juste un exemple. Ben, ils vont faire la même chose. Parce qu'ils vont nous dire toutes sortes de promesses. Après ça, pull the plug. Il ne faut pas oublier que these people are in politics and they use bureaucracy to keep us where they are, where we are. Merci, messieurs. Merci, Julien. Sailesh, Chagrou, des États-Unis. Oui, merci. C'est un débat bien intéressant, Dave. Remercie toi pour cette initiative-là. Bon, partage, sentiment, tout le monde, mon camarade, qui causait avant moi. Marie, Roselyne, Paratian et les autres. Même ça, garçon qui est dans Sud-Afrique-là. Bien causé. Mon opinion à propos du gouvernement. Moi, je suis un pragmatique pour rester en Amérique. Je prends les choses comme il était. Je crois que Pinocchio, c'est un qui va faire n'ornier. Il n'est pas pour faire n'ornier pour nous. Il n'est pas pour faire n'ornier pour nous. 200 000 à 300 000 Mauriciens qui restent en dire aux Maurice, qui lui pensaient nous foutre les autres. Mais bon, je connais aussi avec la fille Wakasho qui est arrivée. Sa gouvernement-là, c'est un gouvernement incompétent. Donc, dans sa façon-là, moi, c'est pragmatique. Je ne crois pas qu'il nous prenne une grande affaire pour capable faire un gouvernement ouvert sur l'esprit dans 4 ans qu'ils étaient non. Mais je connais, nous aussi, une raison qui nous l'a, c'est que nous commençons un travail. Nous avons un peu de temps pour faire. Nous là, nous nous réunissons, nous connaissons le gouvernement là comme il a été, mais avec nous la force, comme on veut dire, nous 200 000 du monde à 300 000 du monde, we are an army. Nous avons une armée qui ressemblait au Maurice. Nous avons fait beaucoup de travail, nous avons fait beaucoup des autres ici. En vie. Mais, pour revenir à ce qui M. Colivan India, l'inclusion sociale, avec la diaspora, avec tout le monde, mais Mauricien, c'est une époque multiculturelle. Moi, mon pensée, c'est quoi la diaspora? Moi, trop content, comme un camarade me fait dire, moi, je ne suis pas trop content à mon diaspora là. Parce que je me sens moi intégré complètement avec Maurice, d'une façon ou d'une autre, you know? Par exemple, moi, je suis un athée à Maurice, je suis un ressource Maurice, mais moi, je suis un camarade Maurice, je suis une famille Maurice, je suis mon cousin Maurice, dis-moi, c'est un cousin parce que vous avez l'autre cousin, je te cause moi, je téléphone moi avant, moi, je prends les cousins avec l'autre cousin. C'est moi le Mauricien, mon sentiment là, là, c'est pour un, mais avant tout, moi, j'ai l'âme, tout le temps me dire, moi, j'ai l'âme Mauricien, mais c'est moi, j'ai l'équipe américain. Alors, pas qu'à choisir un nom de l'autre. Ceci dit, ça a fait qu'appelle Nubeko's right to vote. Moi, mon pensée, nous désignons un right to vote. Qui fait me dire où ça? Qui fait me dire tout ça? C'est parce que demain, si moi, je mourisse, moi, j'habite 4 bonnes, je respecte mon papa, je mets mal à la liste historique, je vote. Ça qui nous paie, ça nous donne un droit, we have the right to vote, but it's a birthright, qui nous désigne. C'est, nous désigne, ça qui nous paie dans aujourd'hui, c'est un mécanisme de vote. Maurice Amérique, comment vous votez? C'est moi, Maurice, je vais voter. C'est un mécanisme de vote là, je caractérise moi, tu ne peux pas trop, je ne suis pas un technicien, ça fait constitution, mais mon pensée, c'est ça qui nous vote, ça qui nous paie, non? C'est-à-dire, il veut vote by proxy, il veut vote by mail, ou bien, quand la technologie aujourd'hui permet de e-voting, mettre une instruction sur Internet, nous voter. C'est un mécanisme-là qui nous paye, non? Et c'est ça qui m'a pensé, nous faisons pétition, nous faisons lobby, comme les Américains font, nous lobby, non seulement le gouvernement Maurice, mais la commission électorale, pour donner nous ce mécanisme-là, pour nous capables d'exécuter nos droits. One man, one vote. Merci. Et je me fais un petit point, là, ce qui Shailesh finit de dire. Il y a important qui, tout bon camarade, nous fait la distinction entre la réforme électorale et le droit de vote qui est garanti par la Constitution, mais en même temps, the right to vote pour la diaspora, à l'extérieur du pays. Il est aussi concerné par ce qu'il appelle the People's Representations Act. Donc, c'est ça qui régit le droit de vote en même temps, il mange de pair avec la Constitution. Merci.
Donc, pour compléter ce qui te peut dire, Kobylène, dans le Representation of People Act, n'a pas fait mention le droit de vote au niveau de la diaspora ou un Mauricien qui est à l'étranger. OK? Un premier point. Sinon, un deuxième point qui te peut dire, Silas, je rajoute une information complémentaire. En 2016, pendant le discours du budget, quand on fait le Finance Bill, qui vient un Finance Act, donc le gouvernement d'alors, qui fait un changement dans la loi du Representation of People Act, pour qui c'est toi, citoyen, qui besoin à enregistrer toi, pour qui tu gagnes droit à voter. Quand avant, les tivines automatiques, le travail, la responsabilité, Tilo, Electoral Service Commission, avant 2016, après 2016, divine le toi, c'est toi qui est responsable pour enregistrer toi. Sinon, ben, si tu n'as pas enregistré toi, si tu n'as pas l'eau la liste, c'est ta responsabilité en tant que citoyen. C'est un changement qu'ils ont fait dans la loi. Mm-hmm. Tu corriges moi, Kobylène, si il y a un tireur. Non, absolument. C'est un point important. Mais comment me dire, Moudarko, je trouve, je n'ai pas aucun pour ou contre l'eau là, mais si c'est un mécanisme, comment vous dire, une façon de nous calme, il y a un peu. OK. Donc, Oliver, tu as fait un point. Après, nous passons le deuxième portier et nous prenons notre ami Didier qui voulait faire un point tout à l'heure. Oliver? Allez, Didier, vas-y. OK. Merci, merci, Dave. Et au fait, bon, et moi, pas beaucoup, je te mentis. Et là, nous bien pépé, a dit dans le débat, là. D'ailleurs, il y a un débat actuellement. C'est pas aujourd'hui qui nous arrive faire un débat, là, la réforme. C'est pas aujourd'hui qui nous arrive qu'il y a une solution. Et une affaire qui nous vient bien conscient, et c'est que la diaspora est mobilisée, mais la diaspora pas encore rassemblée. À aucun moment, nous pas encore rassemblés. Nous, on a un petit groupe partout, tout le monde peut essayer une affaire, tout le monde peut essayer de travailler. Et une affaire qui nous envie, qui nous dans Maurice, nous comprend. Et c'est qui nous, et nous, mauricianisme, est complètement différent. C'est un mauricianisme qui nous a inventé, au fait, qui nous crée. Nous, mauricianisme, il vient de l'éducation qui nous gagne dans Maurice, nous, bon, l'éducation qui nous gagne dans Maurice, qui nous mélange avec bien-être qui nous gagne dans le pays d'accueil et que la réussite qui nous arrive à atteindre dans le pays d'accueil. Du coup, c'est ça, le concept mauricianisme. Pour nous, c'est un aventure humaine qui nous fait vivre actuellement. Nous ne pas la guerre personne. Actuellement, pour nous, c'est une vraie aventure humaine que nous arrivons à rassembler nous, nous arrivons. Et d'ailleurs, il y en a des jours, c'est là, moi, j'ai cause avec Kobylène. Et au fait, il y a des gens qui ont fait tous les jours, ça même pas tout ça, mais nous l'avons avancé. Mais il est bon à savoir que la diaspora n'a aucun structure actuellement. Et qui, tant qu'il nous pas montre sa structure là, et je signale qu'il nous pas réussi à faire aucun travail, au fait. Là, nous besoin un petit peu honnête en nous-mêmes, ce qu'il nous peut trouver actuellement, c'est que tout le monde parti politique dans Maurice, parce qu'ils ont fait tout fait et qu'ils ont pas fait qu'à évoluer, ils ont fait les courses, comme on m'a dit, pour guetter que ça n'a qui pouvait mettre drapeau, prenez la ligne. Mais nous, pas la ligne, la diaspora, et non, nous pas les autres, au fait. Nous pas les aucun parti politique, là. Parce qu'il a raison qui fait Maurice dans sa situation-là, c'est à cause de la mauvaise errance des bandes partis politiques. Et je vous dis, cette période révine amène ça des hauts. Nous, nous parlons ça. Nous parlons, qui dit, mais nous arrivons à gagner ça niveau de tension qu'ils ont fait gagner en dessous là-bas dans le pays-là. Donc, ça, c'est un appel qui m'a fait à tout le monde parti politique qui peut essayer. Car vous, ils ont besoin de rabattre. Rendre un service, récupérer les besoin de rabattre et rendre un service par autre vin section de la diaspora, par autre vin. Et n'a pas fait un sort de découpage électoral tout dans la diaspora. Mais la diaspora, c'est pas un visage, ça. C'est multiples visages dans la diaspora. Et comme moi, je disais, nous pas envie. Et ça, vous pensez, là, l'eau, ça, c'est qui m'a fait dire, là, vous capable de dire, vous pouvez cause au nom de la diaspora. Nous pas envie qu'il y ait un parti politique qui vienne faire malin ici, en nous. Nous suffisamment intelligents, nous suffisamment faux pour comprendre qu'il nous pas pour reproduire la même bêtise. À ce là, nous conscients qu'il y en a des liaisons. Il y en a une liaison dans Maurice qui est une liaison humanité actuellement. Et il y en a une liaison pour nous-mêmes. Nous propres liaisons, c'est avoir les droits des votes. Mais les droits des votes, nous n'avons aucune proposition pour faire actuellement.
ça qu'un peu travaille dans ce coin, et n'a pas dit où il arrive là, le tala pas dit où il arrive là, souris à dire, et samedi dernier, et me disait, qu'il pas fait un sketch devant l'ambassade de France. C'était pathétique, c'était complètement pathétique pour pas le comprendre comment ça va arriver. Et ça montrait qu'il nous payait aucun strictier, au fait. Et là, je dis, là, moi, il y en a plus des autres, c'est qu'il y a plusieurs autres là qui m'ont trouvé, et je déjà peux travailler, mais je ne pas connais, je peux travailler. Nous en contact avec mon chef d'équipe, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps pour dire contacter tout le monde. Mais mon chef d'équipe déjà en contact avec nous et nous déjà tout le travail. Du coup, nous mettons un collectif Djibout qui appelle Moléke RS Mauricien et nous déjà travaillons au terrain, nous déjà soutenir le terrain Maurice humanitairement et nous pouvons faire l'île, nous pouvons créer une propre section. Et une affaire qui dit qu'on besoin comprendre dans la diaspora, c'est qu'il n'y a pas de paix à l'île, mais ça fait droit de vote là. C'est si nous pas éduquons la diaspora pour comprendre comment pour arriver jusqu'à ça droit de vote là qui passe pour une réforme électorale, mais la majorité dit qu'on ne comprend pas. En fait, la majorité dit qu'on ne connaît pas. Dimoun qui faut, justement, hier ou avant-hier, où tu peux gagner sa conversation-là avec Kobylène, c'est un Dimoun qui est très intelligent, qui vraiment a une jolie ouverture, une jolie compréhension, et qui est disposé à éduquer les restes Dimoun pour expliquer nous comment nous pouvons faire ça. Et Dimoun a des bonnes volontés, mais malheureusement, il a la capacité pour faire ça, il a la connaissance, mais il a besoin d'une éducation. Et c'est ça le travail-là qu'il a besoin de faire avant. C'est bien joli, là, au Dimopetou Venta Dimoun, là, et vous connaissez, et là, il finit un titre président section, président pays, et au nom des quoi, je t'ai un titre président section, assistant président, et pas trop connu, que ça n'a rien décidé ça. Déjà, nous-mêmes, nous ne pouvons pas encore rassembler, nous. Et là, il finit de mettre des autres. Mais ce qui m'a pour des autres, moi, camarade, c'est qui, c'est ça. Pas aujourd'hui, moi, je dis, quand on commence, c'est pas aujourd'hui qu'il nous pourra y trouver une solution, là. Aujourd'hui, c'est. Merci, Didier, sois et, bref. Bien, mais en fait dans en étant bref c'est qui ben camarade soit nous mettons d'accord nous rassembler nous soit si peine un consensus pas pour un an. Merci pour ton point. Bon, moi pas connais quel chef d'équipe est autre peut dire c'est ben camarade qui ne s'accorde ni proposer ou me proposer un tel pour s'avancer avec un modèle par rapport à sa débat là si c'est ça que tu veux non, dire. Non, je tout à fait comprendre, Oudev. Yeah. C'est juste qu'il nous y a envie de faire autre comprendre, qui nous est suffisamment grand pour nous faire nos propres plateformes et qui pour nous avancer. C'est sympa, autre aide nous, mais ce n'est pas autre qui vous lit ça pour nous. Pas de problème. Donc, nous parlons de deuxième partie qui est justement un petit peu ce qui te peut dire, Talera Didier, qui beaucoup. Autopédia même beaucoup de personnes dans la diaspora ne comprennent pas ce que ça veut dire au niveau réforme et autres. Il y a quelqu'un qui peut refaire un point. Chakil Djiroubokan, deux minutes, Chakil, faites au point. Merci, Dave, tu veux dire moi? Attends toi, Karian. Ouais. Merci. J'ai envie de faire un point, là, sa camarade Norsingen, depuis l'Angleterre, qui s'y fait concernant Ban Mauricien, qui de Maurice, qui de nom, pas l'eau. Electoral roll. Oui. C'est dans beaucoup d'années d'élections, mais seulement moi, mon petit Maurice, puisqu'il dit ça. Mais mon nom, l'électoral roll, l'année passée. Comment qu'a expliqué des affaires pareilles? Oui, mais un mari la sens. Parce que, puisqu'il dit ça, mais mon corps, vous avez joué le tour. De bien comprendre. Oui. Vous pouvez penser capable, comment dire, du bout de mot, vous pouvez voter, mais il est possible. Et chacun, c'est ça la contestation des partis politiques et de la banquise en Cour suprême et concernant cela, justement. Oui, mais d'accord avec toi, mais seulement, comment tu es capable de ça? Il y a du monde qui reste dans Maurice qui. Peut payer taxes de Maurice, qui peut travailler tous les jours, peut payer des taxes la fin du mois, peut couper des cases de la pays, je n'ai pas un droit à voter, mais moi, je dis que qui quitte Maurice, plus que 10 ans, mon nom encore dans l'électoral roll. Mais une affaire qui, comment dire, pas trop normal là-dedans. C'est ce que moi, je pensais. Parce que moi, je fais checker l'année passée, pour connaître le système, tu es dans l'internet, tu mets ton ID number, tu abonnes ça à tel numéro de téléphone, tu gagnes ton électoral, tu fais un petit monde pour moi, un camarade au moins, fait ça, Maurice, et il a envoyé moi
Moi là-dedans. Ben Dave qui est dans l'informatique, il connaît ça très bien aussi. Mon caractère, c'est toi qui finis une bonne rumeur, mais une bonne fait qui sont confirmés aussi. Côté de la pétition à la Cour suprême. Si c'est bien le Electoral Supervisory Commission qui fin occupe de Benjamin pour être sur la liste, ou bien le Informatics Limited, le OFO, ou bien Benjamin qui travaille dans State Informatics Limited qui fin ou pile la liste, ou bien ajoute non, répétition. Ouais. Exactement, tu as raison. On rajoute là-dedans Shakil, donc commissaire électoral, Ifan Rahman, lui-même l'India, l'ON Radio. Quand il pose des questions, combien de monde qui n'est pas capable de voter, l'India dans les 6000 ou 7000, something like that. Mais quand il pose une deuxième question, l'India, il n'est pas connu, il y a beaucoup plus, il y a des fois et demi, plus le chiffre. En fait, dans la réalité, pas connu, combien de monde n'est pas réussi à voter. Ça, c'est un. Deuxième, il n'y a aucune statistique du monde qui n'est pas dans Maurice qui a voté. Ou du monde qui est mort qui a voté. Ça aussi, nous ne connaissons pas. Personne ne pas connaît. Personne ne connaît. Que... pas connaît. Ouais, mais... ouais, mon... Personne ne pas aware. Moi, un exemple, non. Yeah. Bon, yeah. Je parle de Maurice même, mais possiblement, simplement, si ça fait la Cour suprême là, car de l'avant, si car Richard Ballot Box début de la SMF, amené, guetté, il a un numéro là, vous pensez. Bon, là, la Cour suprême, oui, mais ça, il peut faire ce travail, ça peut prendre les temps, et ça. Et là, c'est un camarade qui est dans l'Amérique, là, Silas, quand il est dans le cas de, comment on appelle ça, Bush, Al Gore. Mm. Ouais. Dans l'espace des mois, tu as un travail à l'ANFR. Oui, oui. OK. Donc, mais ici, non, ici, nous fonctionnons à l'envers. Bon, vous êtes Dave, moi, je fais un événement de la police. Moi, je travaille sous Ban Jibun comme Monsieur Radwa, Peu Radwa, Feu Ramchandor, avec Ban Sieten, les autres chefs qui ont de la police, qui ban très bon élément. Je comprends que de bêtises. Très bien, Shakil. Et dans Ricardo, puis vous faites un point. Oui, voilà. Juste, mes envie de parler avec les autres, c'est qui sont locaux à prendre les autres, mais moi, je ne suis pas trop intéressé avec le droit de vote si le système électoral n'est pas changé. Qui fait, on peut dire ça. Parce qu'ils ont dit, oh, nous n'avons pas une institution qui est indépendante. N'importe qui individu qui nous met là-bas, si vous avez un garde fou, il est capable de faire un braquage comme il peut faire actuellement. Donc, du coup, ils ont dit, oh, le PM qu'il a, l'autre PM qui peut venir, c'est lui qui décide que c'est là qu'il est mis dans l'ICAC, c'est là qu'il est mis dans la police, c'est là qu'il est mis dans la prison. Donc, du coup, il aime se mettre du monde qui pouvait. Donc, à le voter, oui, bizarre commencer à trouver une solution pour un droit de vote, c'est clair. Mais par contre, pour moi, le point central, c'est vraiment le système électoral. Maintenant, ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai envie que je le mauricianise. Moi, personnellement, de nouveau, mon pas, pour l'instant, je suis content qu'il y ait un bon mouvement. Je crois là-dedans, les jours qui est un hindou, qui est lié dans Rosebois, et qui est un troll, qui est lié dans Triolet. Donc, nous pouvons commencer, mais aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup à faire. Mon camarade, il dit, là, peut commencer, il bon commencer. Mais ça, pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas croire là-dedans. Mais il est bon qu'ils appellent à faire avancer. Et un troisième point qui me fait envie de dire, Didier Castagnier, tu fais que ça, c'est qu'il me trouve super aujourd'hui qu'il peut faire un premier débat. Je ne vais pas attendre aucun résultat ou autre solution aujourd'hui. Mais le next m'intéresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons faire un brainstorming. Après, je pense que Dave, peut-être qu'il y a quelque chose là. Il est très bien, il est bon qu'il y ait un bon temps, qu'au moins un du monde peut commencer. Il est capable de lire. Je ne connais pas si c'est toi ou l'autre. Après, vous allez connaître dans quel contexte et comment et pourquoi. Mais tout ban, quand je me rejoins Didier, c'est que tout ce qui peut faire dans le monde à travers le diaspora, nous pouvons unifier nous. Mais avec une cause commune, nous ne pouvons pas occuper tout. Parce qu'ils ont dit dans l'insécurité, que ce soit dans l'éducation, dans le social, dans l'environnemental. Et quand l'être humain en insécurité, ben, il y aura de la sécurité et nous peut souffrir avec ça. Donc voilà les trois points qui me tiennent en visite, partager avec eux. Merci Ricardo. Donc, bon, vous partagez un petit peu par rapport à ce qui nous fait causer. Donc, nous causons aussi, à un moment donné, ben, une circonscription, quand nous peut causer des formes électorales. Bon, déjà, docteur Paratian, nous peut causer récemment. C'est quoi la diaspora? Comment nous définit ça? Qui mauricien qui nous quittait en 1960, 65, 70,
qu'il gagne les enfants, il gagne deuxième génération, il arrive troisième génération, qui s'en a qui n'a carte d'identité, qui s'en a qui n'a passeport, qui s'en a qui peine un ennuyer, qui s'en a qui n'a tout l'idée, qui s'en a qui paye taxes, d'une manière causée. Donc, tout ce paramètre-là, bon, c'est, on dit, c'est un échange, hein, c'est un premier échange. On peut juste échanger, là. Il n'y a aucune solution pour ce outil. Même avec toute bonne volonté de n'importe qui. Est-ce que l'enfant de mon enfant pourrait être une diaspora? Nous devons absolument définir ça, parce que si nous définissons les nouveaux nombres, si nous donnons un nombre, est-ce que ce nombre-là, comparé à 954 000 électeurs à Maurice, ce n'est pas 955 000 qu'on ne connaît, qui nous pourra prêter? Et c'est pour cela que les politiciens à Maurice pas intéressés pour qu'il y ait une diaspora, parce qu'ils sont capables de s'en donner de façon grave. Et donc, aussi, aussi un docteur qui sont capables, ça pousse en Z définitivement. Bien sensé. Bizarre. Non, les poussons carrément les donnent parce qu'ils ne nous pas connaît à ce outil. 300 000, 400 000, 500 000. Nous plie Mauriciens à l'extérieur, nous plie royalistes qui les rois, nous plie Mauriciens à l'extérieur. Quand on rentre dans Maurice, pas connaît pas qui moyen, si pas un trou noir, nous vîmes Lascaux, nous vîmes Créole, nous vîmes Madras, nous vîmes Weiss, nous vîmes Zeus. Pas connaît qui moyen. Mais quand nous en dehors, maman, il faut dire que nous sommes Mauriciens. Comilène? Bon, oui, ça, c'est un très joli point de Yuva. Vous voyez, Yuva, c'est en même temps, même l'important, encore une fois, comme vous savez, le mot important, bonne camarade, le quart d'heure finit de dire, aujourd'hui, c'est un brainstorming après la même chose. Et Didier aussi, finalement, un très joli point, mais comme Yuva finit de dire, mais il y a pourtant nous guette, et si je gagne l'occasion, lire le rapport de SAC et aussi Carcassonne sur la réforme électorale. Et là, quand nous cause, comme on dit, l'inclusion sociale et quand nous Rainbow Society, nous pays Plural Society, représenté dans sa réforme électorale-là. Et quand nous cause, même Rodrigue, nous sommes à la Réunion, Rodrigue nous l'a. Nous le Tchilil, quand nous sommes seuls élus par parti. Donc, c'est pour ça qu'avec la représentation proportionnelle, le type cause, mon corps, le chiffre de 63, corrige-moi Dave si vous vous trompez, qui représente à peu près dans le 77-78%. Et après, dans le mix system, first past the post, qui nous fait emprunter du système britannique, le first past the post, avec une dose de proportionnel et en même temps to cater of the, après le BLS, la BLS, Best Loser System, et que nous et un repêchage, encore une fois, comment je t'appelle, Lee, c'est un nouveau appellation du BLS, mais les bizarres là encore, avec la représentation proportionnelle, party list et tout. Et donc, c'est là, encore une fois, Yuva, quand nous faisons le point de la diaspora et le droit de vote qui est parallèle, mais comment nous pouvons inclure ça en termes de circonscription? Comment tu peux compter ça? Et tu restes, quel numéro tu étais? Quel numéro tu étais? Et c'est là que le calcul du BLS, c'est calcul du représentation proportionnelle, les points de type faussés. Donc, il n'est pas simple, hein? Fallait pas, mais en même temps, fallait dans la volonté politique de le faire. Pena ban expert de Maurice, c'est là quelques personnes. Et Ivan Colin Davelou me rappelle, corrige-moi encore une fois, Dave, c'est en 2003-2004 qu'il s'écrit un rapport, et ben, à partir du rapport de SAC et à partir de la Carcassonne. Mais il y a plusieurs experts dans le monde entier qui finissent écrire un rapport sur les réformes électorales, surtout dans un pays un petit peu qui est très particulier, qui est Maurice, qui est multiethnique, multiculturel. Bien, il y a Pascaline qui veut dire quelque chose. Pourquoi le pantin Pascaline? Oui, bonsoir Tidimone. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils peuvent faire, d'accord. Mais écoute un petit peu tout ce qu'ils ont dit. Et à certains points, je suis d'accord avec l'autre.
Mais moi, j'ai envie de clarifier quelque chose. Parce qu'en tant qu'IPSN qui travaille dans le domaine financier ici, dans Bruxelles, d'accord, par rapport à ce qui, nous, en tant que citoyens mauriciens, on peut préciser bien, pas diaspora, mais pas diaspora. Moi, un citoyen mauricien, je suis né Maurice, je grandis Maurice. Après, je viens de travailler, parce que je n'ai pas de travail, Maurice. Je viens de travailler ici. Le peuple belge, il accueille moi. Voilà ma patrie d'accueil. Mais par rapport à nos pays, est-ce qu'il... Parce que moi, je donne ça en 2017, Islande, il a presque le même problème que nous. Ce peuple, il fait une réécrire sa constitution eux-mêmes. Est-ce que nous, à Maurice, sa question-là pour M. Covinden, est-ce que nous, en tant que peuple mauricien, en tant que citoyen mauricien, est-ce qu'il est capable de demander que le peuple réécrire la constitution? Covinden, laisse-moi rajouter dessus. Et, bon, Pascaline, dans Maurice, un citoyen n'y a aucun droit. Quand il finit voter, il finit vote député, il n'a pas député d'un parlement, c'est député-là qui décide. N'a pas aucun échange, on ne trouve aucun débat au niveau d'une région, par exemple, qu'on discute avec député, et monsieur député, il n'a pas eu toi là-bas, pas plutôt faire ça. Okay? Donc, n'a pas aucun débat. En fait, quand nous avons eu un député d'un parlement, ben, c'est celui qui décide. Manière qu'ils ont envie de faire. Et finalement, ils suivent uniquement the party line, c'est que le leader du parti a décidé. That's it. Sinon, député, il n'a pas gagné ticket. Sinon, député, il n'est pas pour gagner une nomination ou whatever. Donc, ce genre de débat qui te peut proposer, je ne trouve pas ça arrivé dans Maurice, à moins que un groupe citoyen décide par eux-mêmes prendre les devants et discuter. Quelle manière j'ai envie de faire les choses, mais nous peinons aussi aucun référendum de nous la loi. Oui, mais c'est comme quoi. Okay? Donc, quelque part, il n'y a pas grand-chose qui est capable d'arriver, sauf si ben, il y a une majorité de citoyens qui décident. Par exemple, le 29 août, ils décident d'aller marcher l'Olari, à faire une protestation. Oui, mais. Pascaline, laisse-moi rajouter un petit peu, ou faire un petit point. Merci, Dave. Avant qu'il me donne l'occasion, Faranaz qui demande pour causer, laisse-moi répondre Pascaline. Pascaline, nous connaît dans le jargon de la loi et en même temps, que nous cause la Constitution les sacro-saintes. Sacro-saintes, c'est-à-dire, plus dernièrement, le gouvernement au pouvoir, Tirode, c'était. Dans l'alliance avec le PMSD, le Tirode vient avec un amendement constitutionnel pour justement curtail the rights of the Attorney General, le DPP, et c'est pour ça que le PMSD vient quitter le gouvernement parce qu'il vient un amendement très anticonstitutionnel. Donc, avant qu'il y ait un amendement constitutionnel, c'est pour ça qu'il est garanti même par la Constitution, avant qu'il y ait un amendement, qu'il faut donner une majorité, plus de trois quarts, pour pouvoir pour donner un amendement constitutionnel. Donc, en même temps, les sacro-saints. Donc, il ne fallait pas nous jouer avec la Constitution, il ne fallait pas nous, quand nous lever dans le matin, nous dire évidemment la Constitution d'amendée. C'est pour ça, il y a une raison qu'il y a une chaîne de garde, il y a un garde-fou, comment nous dire, au PNA et ban abus et d'un pays démocratique pour qu'il nous PNA ban amendement constitutionnel. Mais oui, un point, il est important qu'il nous passe les demandes, nos requests, comme a Dave vient de dire. Et malheureusement, ça va un député là, le PNA, c'est le mot à dire. The to the line, comment le dire, c'est le leader qui décidait. C'est le leader qui, le leader maximum, c'est lui qui décidait. D'accord, merci. Je vous laisse Faranaz intervenir. Merci, Faranaz. Bonjour, merci pour cette plateforme-là pour permettre nous exprimer un petit peu. Moi, très brièvement,
certains points quand moi n'a pas une réaction COVID tu cas prends micro me revenir une seconde sans problème Carriel. Oui, donc moi n'a pas une réaction face à tout ça bonne intervention là me respecter bonne différence d'opinion il y a un point saillant qui finit touchement, par exemple, quand Shailesh, par exemple, dit qu'il n'est pas content s'il y avait le mot diaspora. Le mot diaspora, moi, mot fier, puis utilise le mot, parce que le mot diaspora, étymologiquement, il sortit la racine des mots, un mot grec, qui réfère à l'exode de ban juif approximativement 6 ans avant l'ère du Christ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la diaspora, ça réfère à une communauté qui est éparpillée à travers le monde. Quand quelqu'un dit qu'on ne peut pas faire partie de la diaspora, c'est faux. Nous faire partie de la diaspora, nous éparpillés à travers le monde, mais nous gardons une identité mauricienne. Ça veut dire que même si on a une double citoyenneté, qu'on rejette mon identité, mon culture mauricienne, mon mange, mon dirige, mon dalle, mon cause, mon créole, comment tu dis, mon. Ce qui est important à savoir, c'est que il y a une misconception terrible à l'île Maurice, comme quoi, qui te quitte pays, ben, te lève pas, qui te n'allé, ici Maurice, ici, pas venir mettre ton aîné là. La diaspora a encore un rôle à jouer, que ce soit dans l'économie du pays, que ce soit dans le côté social, que ce soit dans l'actualité. Pour revenir brièvement aux commentaires du Premier ministre, je pense qu'il s'est tiré dans le pied, il tient dans son propre pied avec un commentaire pareil, parce qu'il n'y a pas qu'à prendre, tu disais, mais dans le panier où il y a la diaspora antipatriote. Parce que la diaspora, première réaction, moi, je ne vais pas faire partie d'aucune association, quoi que ce soit. Je ne vais pas faire aucun parti politique, je ne vais pas faire aucune affiliation, je ne vais pas porter de couleur, un tel ou un tel. Moi, là, en mon propre nom personnel, en tant qu'Imauricien, qui me sens libre visé, d'ailleurs, quand nous finissons d'organiser sa plateforme citoyenne Rassemblement à Toronto, là, ce n'était pas une association en particulier, c'est tout du monde qui nous touché par ce qui peut passer dans Maurice, parce qu'il n'est pas capable de rester indifférent avec ce qui peut passer. Donc, Julien, à un moment donné, il dit comme ça, oui, peut-être qu'il a envie de plaire à un certain groupe d'immune. Alors là, c'est un premier ministre pour un lépé pas complet, c'est un premier ministre d'un groupe d'immune. Pourquoi faire partie, faire plaisir à un groupe d'immune? Je pense qu'il est très mal avisé, le premier ministre, en tout respect pour le premier. Je n'ai rien contre le premier ministre. Quand il fait quelque chose de bien, moi, j'ai dit quelque chose de bien, moi, vous saluez. Mais quand il y a une maladresse extraordinaire, communication n'a pas bon. La diaspora, quand même, est une contribution majeure. Bon, pas pour rentrer dans tout en détail, au risque de répéter un petit peu ce qui est tout du monde dire. Pas oublier un point que M. Abdré a ajouté, c'est qu'il y a bien des politiciens, peu importe ce beau politique des années précédentes, les gars en allowance, les quand ils voyagent à l'étranger. Mais vous connaissez qui tu peux faire sur allowance? Ils rentrent dans ce poste. Quand il y a l'os côté du monde qui fait partie de la diaspora pour qu'il se casse dans ce poste. Le du monde au courant de tout ça. Fait qu'il me pensait qu'il bien qu'il nous mette les choses bien. Un premier ministre n'est pas capable de venir devant la presse, devant la population, lui dire certains mots pour un groupe du monde. Il y a, par exemple, il y a encore, je peux venir dans ce point-là très rapidement, je peux essayer de faire une condensée de bons points qui nous touchaient pour qu'il. Mot capable quand même exprimer. Il y a dans une réunion, un rassemblement, une communauté de veille. Et là, je suis mauricienne, je me sens vraiment mauricienne, mais pas pro-hindou, pro-musulman, pro-qui que ce soit, ou pro-caste. Comment un premier ministre capable présent là, et il permet une bonne personne dans sa communauté là pour dire attention, bande du monde qui peut manifester, est-ce que c'était une menace? Comment un premier ministre capable présent là? Et certains propos tenir place. C'est vrai qu'ils nous inquiétaient beaucoup par la liberté de la presse. Simple fait, on a beaucoup du monde dans mon entourage, mais attention, te peux aller, attention, ben là, provoque-toi, dis ça, pas dire ça, attention, quand tu rentres Maurice, ben là, arrête-toi. Qui fait mon business payer pour rentrer dans mon pays? Quand on dit supposé une démocratie, ce n'est pas la Corée du Nord qui commence à m'arriver pour arrête-moi. Peu importe qui gouvernement qui vient, qui parti politique, il est bien ouvert à critique. S'il n'est pas ouvert à critique, pas faire politique. Critique, il est là pour aider, pour améliorer la situation, pour mettre bonne idée ensemble. D'accord? Je ne comprends pas comprendre qu'il fait mon besoin de faire. Et ça se peut aussi que le fait qu'il m'exprime moi, parce que la façon dont je trouve inquiétant, la façon dont je trouve la situation peut dérouler dans Maurice, c'est une dictature sur fond, comme on dit, nous avons un pilier démocratique, quelle institution. Moi, on rappelle aux classes GP ou dans Forme 6,
quatre piliers de la démocratie, l'exécutif, parlementaire, la presse, etc., etc. Nomme-moi une institution qui peut fonctionner comme un bizarre comme Saddam Maurice. Vous n'avez pas fait une liste, dis-moi qu'une institution qui peut fonctionner bien sans incompétence, vous pas trouver aucune institution. La police, personne... Dis-moi, est où là? Dis-moi, il y a un PM, on peut faire ça documenter à Villemain, là. Hein? Dis-moi, la police n'en est pas faire. Moi, une cause avec Dimoun dans Maurice, qui reste dans les alentours de la Cour Kénique, par exemple. Dimoun peut trouver transaction la drogue, peut faire. Mais ce qui est pire pour la police. Depuis quand Dimoun a le droit d'être pire pour la police? Depuis quoi? Quand Dimoun. Parce que la police, c'est pas un business. La police, il a pour protéger les peuples. Donc, je trouve ça inquiétant. En ce qui retourne, réfère à nos réformes électorales, écoutez, les pures et simples. Au moment de l'indépendance, nous finissons hériter quelque chose qui finit monter là, au pif, comme ça, pour faire sa transition entre une colonie britannique pour nous venir indépendant. Mais est-ce qu'il nous finit suffisamment les temps? Est-ce qu'il nous est conscient de certaines réalités à l'époque qui pouvaient émerger? Non. Nous mettons sur pied une structure pour capable permettre l'île Maurice indépendante pour démarrer. Mais là, au bout de 52 ans d'indépendance, il est clair qu'il n'est pas qu'à continuer à fonctionner loin d'un système qui est archaïque, qui est dinosaure. La Constitution, belle Constitution que je salue, mais malheureusement, bizarre amendement parce que les droits ne sont pas respectés. Écoutez, en 68, quand nous gagnons l'indépendance, nous connaissons un gros exode de la population mauricienne. Beaucoup finalement l'Australie, finalement l'Angleterre, Tiguimpé, attention, à cause de fin de partie. Il faut pas hésiter à dire les choses comme ils sont. C'est une vérité qui tout du monde au courant dans Maurice. Ce serait de l'hypocrisie de ne pas en parler. Je n'en allais parce que je suis un père, parce que moi, j'appartenais à une minorité quand une majorité. Dans tout pays que ça, en Inde, comme ça, au Pakistan, comme ça, côté a une majorité, il écrase tout le temps une minorité. La crainte était là, tout du monde est un père. Il y a beaucoup du monde en allait. Mais aujourd'hui, la question se pose encore à Maurice. Ou un système électoral. Côte, quand on pose au candidat, pédémonou, qui ou religion? Qu'est-ce qui mon religion a à faire avec ce qui m'a capable d'offrir à mon pays? Qu'est-ce qui mon religion a à faire? Bien souvent, pour dire, ah, toi, tu portes telle couleur, tel parti politique, ah, toi, tu as telle caste, tel gouvernement. Mon cause un langage qui peut être blessant, je m'excuse, mais il faut dire, toi, tu es tel caste, à tel parti politique, tu viens au gouvernement, tu viens au pouvoir, tu démolis sa parti politique. La commune, du moins, qui appartient à une caste, il connaît, qui a besoin de démissionner, quitte notre poste. Comme parti politique pour dire oui, moi, je protège, moi, je casse ça, moi, hindou, je protège. Disons les choses comme il faut. Nous avons besoin de bonnes réformes politiques. Droit de vote et tout, oui, mais le peuple mauricien, à Maurice même, pose la question aujourd'hui. Ah ben, mon poutier, ça n'a pas que ça, moi, pour mettre à la place. Et n'a pas dire, moi, un tel mot les rois, l'autre mot les rois. Qui fait nous besoin les rois de Maurice? Qui fait nous arrive à ce point aujourd'hui que nous ne pas connaître que ça n'a nous pour mettre au pouvoir? Qui fait un petit du monde qui en pose? À un moment donné, la Maurice, c'est une mentalité. Moi, je parle comme un candidat indépendant. Moi, pour qu'un vote, pour qui tel représentant, tel parti politique, il paraît si élu. Comme ça, gros parti politique là, pour trouver qu'il y a une menace pour lui, il peut absorber, là, moi, je vais pouvoir, ou bien projet qu'il m'a envie de faire, je suis capable de mettre sur pied. Et tout ça là qui nous a causé, oh, dans un débat, bien sûr, c'est juste un premier débat. Le mauricianisme, c'est un là pour causer, écoutez, en dehors des Maurice qui est un mauricien, à Maurice, c'est vrai, nous tous nous divisons en religion. Et il y a du monde qui n'est pas capable de différencier entre religion et la culture. Hein? Par exemple, Bandimoun qui est d'origine tamile du sud de l'Inde, pour dire non, nous parlait faire partie la communauté d'hindous, alors qu'à la base, c'est à peu près ça, c'est la culture qui est différente. Alors, sa réforme électorale-là, comment pour faire la part des choses, il y a un panel qui vient à ses égaités, pour qui tout le monde représentait, oui, nous payons la mauricianisme dans Maurice. Ce sont des points très, très pointus, Farnaz, comme pédagogue, en même temps, quand on cause critique, là, on fait un point qui est encore une fois très pertinent, surtout dans une démocratie, mais trois piliers, on cause quatre, et malheureusement, il y en a un premier ministre qui ne comprend pas quels sont les piliers de la démocratie. Les piliers de la démocratie, qui nous tout connaît le principe du Montesquieu, c'est-à-dire législatif, judiciaire et
l'exécutif, mais en même temps, ce qui est un média qui est un pilier très, très important pour le bon fonctionnement de la démocratie, surtout pour le peuple. Et quand nous cause la démocratie, quand nous cause le peuple, nous cause média. Et encore une fois, nous go back to Abraham Lincoln, the government of the people, by the people, and for the people. Ça, ce sont les principes fondamentaux de la démocratie. Et quand nous cause média, malheureusement, vous connaissez, même comme pédagogue Faranaz et tous nos camarades qui, dans les quatre coins du monde, comme un camarade Talala dit à Mauricien, nous tout peut tracer à l'extérieur, peut travailler dur. Vous posez la question. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Pravin Jagnat finit le courage de répondre à la population pour dire comment les fin acheter, comment les fin acquérir sur la case de Angus Lane. Il n'est pas fin capable de répondre. Mouredi Ali, s'il en a le courage, s'il est respecté la population, ben vient répondre comment? S'ils sont des allégations, à ce moment-là, rentre une case. Vous trouvez? Donc, il y a beaucoup de ban passe-droit, beaucoup de ban scandale qui finissent jamais finir là, comme tu m'as dit encore une fois, de mon camarade qui peut tracer, peut travailler dur, puis quand je peux dire qu'avec sa quantité de millions qu'il finit à la case, je peux poser la question. Hein. Mais dis-moi un coup, quand Pravin Jagnat finit pratiquer comme avocat, combien de cases il finit gagner? Il n'y a pas une QC. Hein. Nous connaissons une QC, combien gagner dans l'Angleterre, une QC, combien gagner dans l'Angleterre. Mais dis-moi, how many cases qui Pravin Jagnat comme pratiquant, comme barrister, combien de cases il finit gagner pour lui venir gagner sa quantité et casse là. Fais les calculs, nous peut travailler, je peux travailler dans les quatre coins du monde, concernés, mais est-ce que Pravin Jagnat est capable de montrer comment les fin acquérir ça? Merci. Covilaine, j'ai une question pour toi. Une cause First Past the Post, elle est là. En Angleterre, à Maurice, ok, nous avons trois candidats élus. Hein? Mm-hmm. D'accord. En Angleterre, comment il est passé? Est-ce qu'il y en a trois ou il y en a un? Et tout dépend, encore une fois, il y en a un. Là, c'est un élu par circonscription. Un élu par circonscription. Bon, quand nous avons cette circonscription, il y en a dans une circonscription, il y en a plusieurs et qui appelle ward en même temps. Yeah. Mmh? Yeah. Mais c'est une par circonscription, c'est de l'est. Et par exemple, dans différentes counties, il y en a de Hertfordshire, par exemple, côte moitié, il y en a plusieurs endroits. Côte Watford, il y en a sur élu. Il y en a St. Albans, il y en a sur représentant. Il y en a Hemel Hempstead, qui est là son représentant. Donc, encore une fois, il first past the post, le principe, mais en termes d'élus, là, les différents en termes de sa découpage, des circonscriptions, les différents. Mais okay. Le principe donc, reste le même, c'est-à-dire... Tout à fait. Donc, moi, tu veux qu'il fasse mon consens, c'est par rapport à Ricardo qui ne fait un point à là. Zou Pouena, un hindou qui pourrait être élu dans Rochebois ou autre, etc. Donc, je me rappelle qu'à l'époque de Maurice, de Corrichon, si vous allez rire, mais il y en a 40 circonscriptions de Maurice, à une époque. Ouais. OK? Mais il y en a un élu par circonscriptions. Mm-hmm. Donc, nous pouvons causer une réforme. Il y en a 10 000 qualités qu'il y a. Il y en a pour cause Saxe, pour cause ceci, pour cause cela, OK? Pour cause tout un expert qui vient avec cette proposition. Mais vous pensez quelque part, ce qui est important avant tout, c'est l'éducation citoyenne, pour que tout le monde comprend, en fait. OK, nous pas juste écoute expert, nous ici, nous avons fait nous l'esprit de travailler. Mais je n'appelle pas. Capable, il y a une circonscription, là, Maurice. Qui en pèse? Il y a une circonscription, un élu pour circonscription. Mm-hmm. Capable, il y a 10 élus à la proportionnelle qui viennent rajouter que ça 50 là. Automatiquement, le problème qui Ricardo peut dire, et automatiquement, pour il y a une communauté qui peut élu dans Rosebois. Automatiquement, on a une communauté qui peut être élue dans plein de vêtements et ailleurs, dans Triolet. OK? Il y a une question de découpage. Là, il y a une question de découpage. D'accord avec toi.
que tu fais cause gerrymandering tout à l'heure. Gerrymandering. Donc, quand on fait un proper gerrymander, c'est pour que toutes les minorités soient représentées. Mm-hmm. Et automatiquement, ils permettent d'éliminer certaines, le BLS, par exemple, élimine automatiquement la déclaration éthique. Moi, par contre, dans quel pays que tu étais là, s'il y a un candidat pour l'élection générale, tu as besoin de déclarer ta communauté. Tu es hindou, tu es sino-mauricien, tu es musulman, après, tu es dans la boîte foutue dans la population générale. Mm. Ben, ça, c'est un très joli point, Dave, mais en même temps, moi, d'accord avec toi, quand nous causons redécoupage électoral, redécoupage des circonscriptions, si tu l'es, dans Maurice, quand là, il vient compliqué encore une fois pour les statistiques, mathématiques et tout, comment tu calcules ça. Mais tu as un petit peu de recensement, pas quoi, il y a un recensement depuis 1976, il y a un recensement. Et c'est pour cela qu'encore une fois, une partie qui finit toujours taper pour faux, pour dire, c'est le parti d'ailleurs, c'est le PMSD, une demande et un recensement pour bonne raison évidente. Et par contre, il y en a l'homme-même qui finit toujours demande une réforme électorale au effort. Et ben parti comme toi-même, Dave, 100% citoyen, cote citoyen, qui finit demande aussi, mais demande une réforme électorale, et encore une fois, pour qu'il y reflète sur cette société en conciel, plural society, et quand nous avons tout le monde on board. Mais il est compliqué dans le sens qu'il y a un redécoupage électoral de sa modèle qui te peut dire de sa circonscription là et te proposer automatiquement un recensement. Et moi, agree to disagree, Kovi. Hein? Moi, pas sûr qu'il fait nous besoin faire un recensement pour faire un découpage. Nous connaissons déjà qui dans telle circonscription, il y a 18 000 votants, dans l'autre circonscription, il y a 70 000. Hmm. Tu vois? Donc, enfin, mon calcul de 50 et 10, c'est pas par hasard, hein? Vous permettez le 18 000 de moyenne. Moi-même, quand tu dis ça, oui, moi, d'accord avec toi. En termes de redécoupage, je pensais que tu peux dire l'élimination du BLS. Mais automatiquement, le BLS est éliminé. Donc, quelque part... Là, I'll beg to disagree. Again, si tu as un redécoupage électoral, redécoupage de des circonscriptions, tu connais 18 000 votants, l'autre côté, il y a 70 000, là, tu peux faire une balance de nombre de votants. Quand tu fais nombre de votants, si tu as un recensement, là, tu connais l'OSA, profil ethnique là. Et là, tu n'es pas capable. Nous déjà connaissons ça. Le gouvernement n'est pas capable de prendre la responsabilité pour dire ben, qui tu étais. C'est justement en même temps que tu pas donné, quand tu perds le voter, tu pas décliné ton identité. C'est la personne qui doit décliner son identité, qui dit qui était, à ce moment-là, d'après le recensement, de faire sa redécoupage de la circonscription. Et en même temps, Léla, quand je trouve difficile, moi, et d'après tous les rapports, même si je ne sais pas si je lis, tu sais, et plusieurs articles et citanen, quand fin étudier, de fond ton comble et sur le système électoral mauricien. Bon, excuse-moi, tu écoutes là, vous faites mal élevé. Vous croyez l'objet? Arrête discussion dans les détails, le réforme. Mm-hmm. On finit jamais ça, non? Le commence à compliquer pratique, comme on m'a dit, vous n'avez pas dit, là. Qu'est-ce que nous allons maintenant? Souris. What's the progress? What can we do now to go forward in a very practical manner? Et moi, il y a une proposition pour autres, la diaspora, si ça pas les rangs, si vous êtes prêts pour écouter moi et pour écouter nous, et si je peux permettre, moi, faire sa proposition-là. Et au fait, vous pensez, nous tous ici-là, nous comprenons qu'appelle, nous tous des attentes pour l'IRA. L'IRA, il y a une section politique, et l'IRA, il y a une section homme. Nous, ce qui nous peut proposer, c'est qu'il y a une section politique et une section humanitaire, parce qu'il y a en ce moment dans Maurice, l'humanitaire à prendre. Si nous passons au pays-là,
nous pas pour le vote non, au fait. Pas pour un non, pour voter là. Pas pour un non, pour faire si nous passons au pays là. Parce qu'ils sont dans sa situation là. Nous, nous avons une porte économique qui dès à présent et qui à ce là, il peut bien montrer qu'il est là pour soutenir ce pays. Ce qui nous peut proposer, c'est qu'il laisse nous faire notre travail économique, nous faire notre travail humanitaire avec ce pays là. Et si à l'écouter, nous travaillons, nous réformons. Au fait, c'est la structure qui nous pose, nous, dans nos mouvements. Au fait, comme on dit, elle est là. Il y en a beaucoup en d'autres, là, qui peut travailler en nous, mais qui pas déjà conscience de peut travailler en nous. Elle est là, c'est une cause Kevin. Kevin aussi peut travailler dans une nouvelle équipe. Et Wright, c'est toujours, peut déjà travailler avec une nouvelle équipe. Et au fait, ce qui nous fait, c'est qu'il nous propose tout le monde, quand notre propre identité groupe, quand notre propre appartenance, si je te laisse, c'est pas un problème. Mais au moins, nous mettons sous un seul parasol et nous travaillons. Et sa proposition de travail, là, et c'est pour ça qu'il allait là, et qu'il faut dans l'explication, il y a certaines personnes qui voient une grappe en ça un petit peu trop agressif, nous pouvons dire. Mais c'est pour ça qu'il dit, m'interromps-toi, s'il te plaît, parce que là, c'est très, très intéressant, ce que tu veux dire. Mais ce qui me demande, toi, me penser, c'est une très jolie initiative de ta part, encore une fois, que tu nous capables. Et fin trio, tu discutes avec Dave, avec moi, et en dehors de ce forum-là. Mais mon point, si c'est pas mal, je reprends le point de peut-être Kin, qui fait une cause étalée là en même temps, le débat d'aujourd'hui. What's next? Là, nous pouvons. C'est ça vos propositions. Le point, c'est structure. Mais le débat. Vous d'accord avec Didier? Non, c'est ça. C'est nous qui avons causé avec ça off-forum, offline, mais vous d'accord avec Didier en dire aussi. Mm-hmm. Absolument. Ouais. C'est très joli. Et ben, dans ces cas-là, et nous partageons nous bonne l'information tout de suite. Nous partageons nous bonne l'information tout de suite. Et nous essayons dès qu'il nous est capable, essayons. Parce que honnêtement, moi, moi, j'y pensais, c'était Zodi, vu qu'il cause la diaspora. Moi, j'y pensais, Zodi, la diaspora, nous pour assister, nous pour mettre nous d'accord, nous pour cause une bonne affaire qui concerne nous. Et là, il y a des minutes, je peux cause bonne circonscription dans Maurice. Souris, moi, dire ça. Ça n'a pas intéressé nous, une circonscription dans Maurice. Est-ce qu'il nous pour gagner une circonscription? Est-ce qu'il nous bien commence la réflexion, loin de 22e circonscription? C'est pas une réflexion comme ça qui nous peut bien gagner. Et c'est pour ça qu'il me paye les autres. C'est un travail qui, ça concerne la diaspora avant tout. Il pas concerne Bandimoun dans Maurice. Pour les moments, zou, que nous pouvons une proposition pour amener à Bandimoun dans Maurice, les là, nous pour coster aux autres. OK? Parce qu'il est bizarre qu'ils viennent mettre ça dans ce manifeste. Il faut bien une négociation. C'est mais ça ajoute une affaire, là, vous dites. Moi d'accord avec toi. Et pour être pragmatique, pour aller un peu de l'avant, moi, je pense qu'il y en a des options. Comment Pascaline, il disait, là, il représente lui-même. Il y a une Mauricienne avant tout. Et moi, je pense qu'une option, c'est, il y en a 4 ans, Dave, tu commentais que tu ne fais pas, là, qui, quand après 4 ans, après élection, nous payons aucune représentation. Mais là, si nous basons sur Valet Zou, il y en a 4 ans pour pouvoir une nouvelle élection. Assuming qu'it goes, everything goes like that. Et donc, nous avons un pouvoir, nous avons une influence. Comment, une influence qui nous est capable de faire, c'est, comment vous dire, moi, Mauricien, mon papa, mon maman, et que je t'ai voté, mon frère, chacun de Maurice, pas oublié, chacun de Dimoun de Maurice, c'est un Dimoun, je connais un Dimoun proche qui reste d'eau. Mais nous avons influence ça, nous avons une sphère d'influence, nous capable de dire à mon maman, mon papa, mon frère, hey, dis-moi que ça ne t'a pas voté, make sure que ça candidat là, il se porte, moi, mon droit de vote, qui me reste d'eau. Ça, c'est une infiltration au niveau social. Nous la guerre pour nos propres droits à travers nos connexions qu'il y a. Ça, c'est une. Deuxième option, comme un peu Didier in proposé, c'est nous aller comme un émissaire, nous aller comme la force. Moi, je vais mettre les mots de la bouche, mais me penser, nous aller comme un émissaire, nous représente nous-mêmes, nous avons une structure, que nous aller, nous lobby, comment tu peux dire, comment on se parle, nous lobby le gouvernement. Nous pouvons pas pour lobby du gouvernement. Et là, c'est pour ça qu'il nous peut dire la structure est importante. Right. Et encore une fois, comme on me disait, c'est liaison dans Maurice, c'est qu'il y a une liaison humanité en ces moments dans Maurice. Si nous pas régler ça premier problème là, et qui nous pas le voter au fait. Peut-être nous régler ça premier problème là, bon. Et c'est pour ça qu'il nous décider à ce qu'il nous mette des sections en place. Il y a une section qui est dédié à l'humanitaire et qui a une section qui est dédiée à une réforme électorale et qui rassemble plein de monde qui est déjà allé sur sa plateforme là. Et ça qu'un peu travail, mais quand nous peut arriver, c'est qui pas nous qui pouvons dire à Maurice, est-ce qu'il nous capable de venir, est-ce qu'il nous capable de voter. C'est Maurice qui peut venir dire à nous,
Je donne le droit à voter parce qu'ils ont l'eau du terrain, ils ont nous tout ça à l'étang là. Nous pouvons vous faire le lobby, nous, parce qu'ils nous font ça. Comment te dire? C'est nous, une famille qui l'a au terrain. C'est nous, une proche qui là-bas qui peut souffrir. Monsieur Dame, si nous faisons ce travail-là, c'est tant mieux. Si nous récits amènent un aide, un soutien, vous êtes même, vous donnez nous droit de voter. Vous êtes même, vous plus enclin à écouter nos propositions. Si vous êtes trouvé, nous là, nous payons vous aussi. Et c'est pour ça qu'ils nous disent à sa structure-là et qu'ils nous finit comment se faire structure-là. Et encore une fois, bon, Révino, c'est qu'il est arrivé samedi. C'est pour ça qu'ils ont été trouvés une démagogie pareille au Paris samedi. C'est parce qu'ils nous paient l'instructif. C'est qu'ils nous paient les tout du monde qui a le galopé, puis à l'un côté. Ça qu'a une envie de faire une bonne affaire. Ça qu'a une envie à ce côté. Et n'a rien à bonne aspiration politique. Et n'a rien à bonne toute qualité d'aspiration. OK, pas un problème. Mais bon, Révino, encore une fois, si nous pas mettre la main en sable, sauve pays là avant. Mais passer à vie, non, on y aura le droit des votes. Passer à vie, non, on y aura le faire structure. Passer à vie, non, on y aura le faire réforme. Parce qu'il n'y a pas pour un pays, en fait. La situation-là, elle est déjà très, 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 très compliquée. OK, merci, merci, Didier. Il y a des camarades qui veulent relever un point. Des petits mots, s'il vous plaît. Allez, rapidement, Marie-Rosine, parce qu'il y a un ami qui nous commence à faire travail dans la France, quand nous pouvons réunir tout le français, tout le mauricien qui reste dans la France. Nous commençons à dire, moi, je suis content si les autres pays sont capables de réunir les autres de l'autre côté. Après, nous pouvons faire un grand rassemblement. Déjà, nous commençons devant nous la porte. Et côté humanitaire, mon papa a répondu qu'il nous fait une cagnotte souvent et qu'il nous a une cagnotte qui l'a fait sortir demain pour arriver dans Maurice. Voilà, oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. L'Angleterre est déjà fait. Ali. Nous déjà en contact avec tout le monde. Nous déjà en contact, mais nous ne pouvons pas en contact avec vous, moi. Et malheureusement, c'est allez, ça. Allez, OK, j'ai eu l'occasion pour un contact. Merci, Didier. Allez, je passe le micro à Kathleen Sibel qui peut demander le micro, Lipienne Boutletan. Merci beaucoup. Oui, je et dis moi aussi. Bonjour. Mais de tout ce qui est indien, bien. Mettez le micro off, please. Vas-y, donc, ce que j'ai envie de rajouter en plus, tout ce qui est indien est un sens, ça qu'elle est à ce point, et vous bien d'accord avec ça. Malgré tout, vous avez essayé un point, vous espérez qu'à la fin de sa discussion, là, on a peut-être une proposition concrète ou plusieurs propositions pour la suite. Après, ça qu'elle est capable de choisir, Dev, c'est Dev qui peut faire ça, vous pensez. Vous espérez. Mon point, c'était nous causons beaucoup la sorte forme d'inégalité et surtout partie identité en tant que diaspora. Pour le moment, moi-même, je pose moi la question identité, diaspora, pas diaspora, parce que si qui me connaît, ma famille peut souffrir à l'autre côté. Ça, haine. Numéro D, qui fait mon retour moi à l'étranger, c'est parce qu'il dans mon propre pays, peine à sens pour moi gagner un travail. C'est-à-dire peine à aucune égalité. Pour moi, depuis mon code de ma famille sorti, depuis avant, jusqu'à ce temps, si je rentre, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de travail, je vais gagner. Qui faire? Moi, j'ai besoin de raisons de tout connaître qui faire. Moi, vous n'avez besoin d'aucune explication. Tout le monde connaît qui faire, je vais gagner un travail. Un travail simple, un travail fonctionnaire, et tout mon expérience qui m'a, je vais pas gagner. Donc, moi, je suis là, principalement, pour qu'ils m'ont assuré, qu'ils m'ont ici, m'ont capable d'y aller, mais qui, mal les autres du monde comme moi, qui trouvent dans Maurice, jamais pour capable d'ouvrir la bouche pour qu'elle fasse une phrase pareille. Et surtout dans le temps de maintenant, c'est qui est capable de faire une phrase pareille dans Maurice, il trouve derrière les barreaux. Donc moi, personnellement, feu mon papa tient le policier. Il raconte tout quand il dit dans la police, jamais il est capable de monter. Pourtant, il dit bien comment il était, c'est qu'il se travaille, tient fait travail intègre, mais il n'est pas capable de monter plus que ça. Donc mon point, Zodi, pour un point qui est très sensible, mais je ne peux pas dire moi parce qu'il me le vit. Donc, il faut une partie égalitaire. Donc, ça qu'appelle ethnicité, là, vous avez effacé ça. Une vieille affaire, une vieille affaire. Du tout mauricien avant tout, qui nous déo, qui nous maurice, nous pareil. Donc, j'ai envie que ce point-là bien mettre en avant la partie égalité, équité dans Maurice. Et bien sûr, vous avez fait une réforme. Hein? Vous avez fait une année sans réforme. Parce que la continuité, tu as infection, tu as brisure, cassure, il arrive à infection, il arrive à la gangrène, et la gangrène arrive pourriture. Donc, quand on arrive niveau pourriture, franchement, nous tirer, nous reprendre, nous mettre, donc nous faire réforme. Donc, moi, j'ai envie et moi, espérer qu'il ben, du monde qui l'a et qui a la capacité dans ce sens-là, faire la possibilité de faire une réforme et que la diaspora, c'est qui nous fait que Diazodi est capable de raisonner de l'autre côté. Parce qu'il commence, certains d'entre eux, t'as l'air, est-ce qu'il nous paye contre diaspora, ses enfants, ses petits-enfants? Parce que statistiquement parlant, si nous faisons diaspora, ses enfants, ses petits-enfants, l'autre côté, à la base, on peut trembler. Donc, gagner pire. Parce que tout d'un coup, nous sortis des 100 000, nous parlons de 500 000.
Donc, tout ça là, c'est pas le point faux qui m'espérait qu'il nous capable de prendre en compte et pour qui, après, dans l'avenir, peine à aucune couleur, peine à religion, peine à caste, peine à n'en mais nous peut dire du monde avant tout. Et les cas du monde qui peut faire mal. Et c'est tout. Merci. Merci, Kathleen. Sans pouvoir, pas de réforme. Ça peut causer, là c'était Julien. Excellent, je... toi Non, c'était Julien qui avait parlé. Ah, ok, ok, ok. Alors, moi... Oui, attends, sorry, je reviens là. Julien, il a 100% raison. Sans pouvoir, il y a une réforme. Est-ce que j'ai pensé, je crois, que le gouvernement Jacques Nath promène une réforme pour eux? Même si nos camarades Didier peuvent dire qu'il promène ça et que le gouvernement local, ou ok, actuel, pour obliger à écouter eux, il y a une réforme. Moi, pas mon instant, moi. Moi, perso, hein, moi, quand même, pas connaît qui je pensais, moi, je ne trouve aucun bon gouvernement qui nous gagne pour amener ce genre de réforme. Moi, pas trouve ça. Et non. Ah, certainement, c'est pour ça qu'il nous bouffait à nous-mêmes, de nos côtés, et nous bouffait à l'idéo. Nous ne pouvons pas attendre personne, nous pouvons amener nos groupes la fausse. Constitution mise à voter par le Parlement. Est-ce que je te trouve qu'il y a là sans la Constitution d'ici 2024? Non. On pensait qu'il est complètement irréaliste, croire que ça pourrait arriver dans 4 ans. Exactement. Même arriver dans 4 ans, ça. Exactement. Merci. C'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Juste pour ajouter un dernier point, messieurs, pour faire une métaphore. Sorry, j'interromps comme ça. Mais pour faire une métaphore, c'est comme si nous avons une train qui est dans la gueule. Ils ne finiront plus hier ce soir, bon, ben, boiler, se développer, bouillir. C'est qu'il est arrivé les 29, c'est sa première coup de la vapeur qui sort là. Et comment dire, nous mettons une machine en marche, nous embrayons une machine qui vous prend sur le temps pour lui démarrer, il peut accélérer doucement, il ne peut pas aller vite, parce que s'il ne peut pas aller vite, il peut le craser. Là, c'est un travail long terme qui peut commencer, c'est un travail qui vise à ce fondation fort, et sinon, nous ne pouvons pas progresser. Sorry d'avoir interrompu, mais je pensais que je devais dire ça. Pas de problème, pour faire un point justement dessus, c'est que le débat, l'échange d'aujourd'hui, on ne peut pas qu'il prenne une solution, t'as dit là. On espère qu'il personne dans un peuple qui prenne une solution. Deuxième, c'est un premier échange parce qu'il y a une majorité dans un pas contre eux. Et moi non plus. Et ça pour permettre de faire d'autres débats un peu plus thématiques. Si je ne remarque, comme tu partages le lien, c'est un site web. Plusieurs camarades de la diaspora ont enregistré pour différents débats thématiques qui peuvent venir concernant l'éducation, concernant la santé, concernant l'environnement, concernant whatever. Il y a une douzaine, une treize différentes thématiques que je peux enregistrer pour qu'il puisse y avoir un débat plus restreint, une dizaine de personnes dans différents pays et en Russie par rapport à une thématique pour se co-construire ensemble. Pour résoudre le point de Farhana, tout à l'heure. Vas-y, Kobi. Excuse-moi, je vais tout mettre au micro, au mute, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de micros qui est allumé là. Je ne sais pas si c'est moi. Kovilen, faites au point après Exley. Exley, mettez au micro. Ce que Kathleen t'a dit tout à l'heure, et rejoindre un petit peu, ce qui fera mal, c'est dire quand le Premier ministre, dans un forum de Van Weich, fait un commentaire comme ça, qui est très, très déplacé. Mais en même temps, Kathleen, pour nous, c'est un autre débat en même temps. Bon, l'autre débat, mais en même temps, c'est un autre point très important, c'est qu'il faut dire, l'eau est au niveau de au papa, quand il est de la police, pas fait une guerre, la chance égale. Quand nous cause la chance égale, en même temps, c'est ça qui me dit l'inclusion sociale dès le début. Quand nous cause la chance égale, et Tiffinena, un amendement de la loi Côte-Ena, que tu viens de l'avant, corrige-moi Dave si je me fais faute, The Equal Opportunities Act, mais qui vraiment peine ce sens, n'est pas vraiment active dans Maurice. Par contre, quand nous cause affirmative action, quand nous quitte de l'Angleterre, vous pensez ou en France, Kathleen, n'est-ce pas? En France. Donc, c'est pour ça que beaucoup de Français viennent en Angleterre, que c'est la chance, beaucoup plus de chance comme une autre ethnie pour gagner un travail dans l'Angleterre qu'en France. Parce qu'ici,
le nom de l'affirmative action et en même temps quand vous pouvez apply un job, le ou capable contester si vous pouvez rentrer, même dans le privé, si vous pouvez coche le petit casier, c'est-à-dire qui ou ethnie. Et c'est pour ça qu'il y a une représentation et l'inclusion sociale qui m'ont fait dès le début. Donc ça, il y a un point aussi qu'il ne fallait pas nous faire un amalgame, mais il y a pour autant aussi, mais il faudrait nous faire la différence qui est la loi qui bizarre renforcée sur le Equal Opportunities Act avec un mécanisme bien en place pour veiller à ce que tout le monde ait ses chances égales. Merci, Dave. Merci. Excuse-moi. Moi, pour le moment, ce qui m'a vous êtes causé, tout ça mène un changement. Je vais faire tout même plein de programmes, vous faire un changement électoral, etc. etc. Ça peut causer là. C'est Marie-Mille. OK. Allez, vas-y. Moi, le problème, c'est que si tout diaspora aujourd'hui, c'est la première fois au monde, que tout le monde est réuni parce que tu as l'urgence. Et l'urgence, c'est quoi l'urgence? Tout ce qui peut passer, Maurice. On y va d'accord. Comment se peut-il qu'un gouvernement, un premier ministre, prend l'otage tout un pays entier? La pièce nous besoin, nous visait au moins trouver une solution, pas dans 4 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Nous visait trouver une solution maintenant. Comment faire pour tirer un gouvernement là? Dans 4 ans, dit tous les gens qui est là, nous pays vivent bien comme à la Grèce. C'est l'urgence là, c'est maintenant. Comment faire? Est-ce qu'il par rapport à l'intérêt qu'il a acheté, ou pas capable d'y aller, comment vous faire? C'est ça. Je tout fait causer. Moi, d'accord. Moi, je suis d'accord avec ce que je dire. Mais là, l'urgence, là, maintenant, c'est ce gouvernement-là qui peut finir partout. Et je me place dans Jimoun, de même place qui va viser. Ben, Jimoun, qui peut pas capable d'apprendre médecin, moi, mais il fait qu'il travaille ingénieur. Ou un ingénieur peut devenir médecin. Et là, Jimoun peut gagner une place. Un groupe au salaire qui passe, c'est pas une place. Alors, maintenant, actuellement, comment on fait pour faire pour son sein? C'est voilà, c'est tout ce que vous voulez, moi, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Dave et Mike. Alors, je ne sais pas si je peux ou pas. Si... Exley, tu demandes le micro depuis un bout de temps. Vas-y, Exley. Allez, merci. Avant tout, voilà, je m'appelle Exley, moi je suis basé en France, du côté de Bordeaux, je suis dans le milieu de la psychologie, et ça c'est une première chose. J'ai entendu beaucoup de choses très importantes, très intéressantes, je suis un peu je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui a pris la parole, qui parlait de l'IRA. Je suis un peu drastique aussi comme personne dans la pensée par moment, mais très réfléchi. Je suis un peu comme Shailes qui a dit, je suis dans le cœur, je suis mauricien, nationalité mauricienne, mais aujourd'hui je ne me considère pas comme mauricien entier. Première chose, pourquoi? Ça peut choquer ou pas, de toute façon c'est mon opinion. Maurice ne m'a jamais rien donné. Comme beaucoup d'entre vous, et comme je vais reprendre ce qu'a dit Ricardo, Maurice a causé ma faillite personnelle, avant tout, dans l'éducation, parce que je n'ai pas réussi à Maurice. Ce n'est qu'en quittant Maurice que j'ai réussi. On m'a donné la chance d'évoluer, d'être ce que je suis aujourd'hui. En rentrant 1,6 million de roupies, c'est ce que j'ai dépensé en 6 mois en restant à Maurice. J'ai voulu développer 1,6 million, c'est en fin 2018, c'est-à-dire en octobre 2018 jusqu'à quasiment février-mars 2019. 1,6 million. J'aimerais dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent, ça c'est ce que j'ai dépensé de ma poche, hors investissement personnel que j'ai pu faire sur l'île, donc qui est fait beaucoup plus. On parlait des choses, pourquoi je ne me considère pas vraiment mauricien? Parce que, encore une fois, Maurice ne m'a rien donné. Aujourd'hui, la France m'a apporté beaucoup de choses. C'est pas pour ça. Oui, si, franchement, si vous ne pouvez pas considérer vous comme mauricien, on pense pas. Non. Franchement, Lola, ne pas plus d'accord. Si, franchement, quelqu'un ne peut pas considérer comme mauricien, comment Ena nous connaît, Ena. Laisse-le expliquer. Laisse-le expliquer et il peut terminer bientôt. Merci. Alors,
Moi, je suis mauricien, une chose. Aujourd'hui, Maurice ne m'a rien donné. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité qui est pour tout le monde ici, hein, présent. Excellent, nous ne finissons comprendre à bout là. Continuez, rapidement. Moi, il y a une chose que dont, alors je ne me rappelle plus de son prénom, Castagnier, je crois qu'il a dit, aujourd'hui, on va venir vers nous pour nos votes. Mais aujourd'hui, si on ne reconnaît pas, nous, Mauriciens, en tant que Mauriciens avec notre carte d'identité, on ne reconnaît pas l'étranger pour pouvoir avoir un droit de vote, on ne reconnaît pas, comment est-ce qu'on va venir nous chercher après? C'est une question auquel il faut penser. Moi, encore une fois, je me battrai pour mon pays, pour ma famille, pour apporter ce que j'ai appris ici, pour apporter à Maurice, pour pouvoir faire des changements. Maintenant, il y a une chose, on peut sauter et dire si je ne considère pas Maurice. Attention, une chose est sûre, je suis mauricien. Je me rappelle encore d'une interview qu'a donnée Éric Triton qui a dit « On m'a offert la nationalité suisse ou française, je ne sais plus, pour elle. » Alors, il n'a pas pris. J'ai envie de dire, aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans que je suis en France, je n'ai pas demandé la nationalité, je n'ai pas pris la nationalité française. Je suis encore mauricien. J'attends peut-être qu'il y ait quelque chose. J'ai été approché par le Parti travailliste pour venir faire partie de l'Élection, que j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je me sentais pas, les valeurs que j'ai ne sont pas celles d'aujourd'hui. Quand on regarde juste les millionnaires multimillionnaires qui sont à la tête du pays, c'est les anciens ministres. J'ai 38 ans, les responsables de cette situation aujourd'hui sont peut-être aussi ceux qui sont assis là devant l'écran. Moi, j'en fais partie, vous en faites partie, nos parents font partie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait un changement. Je rappelle qu'aujourd'hui, juste comme ça, on peut dire tout plein de choses, que vous n'êtes pas d'accord ou pas. Aujourd'hui, nous sommes à l'étranger, nous avons réussi, c'est une chose, c'est bravo à nous, nous sommes donné les moyens pour réussir, mais rappelons-nous une chose, nous avons encore de la famille là-bas, et que cette situation de vote aujourd'hui, nous en sommes responsables et nos familles sont responsables. Parce que peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas expliqué, éduqué ce que nous avons appris à l'étranger, nous ne l'avons pas transmis à nos familles pour leur dire, écoute, tu sais, la situation que tu vis actuellement, ce n'est pas logique. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas faire que subir. Subir, ce n'est pas une solution. C'est juste un moyen pour te dire de t'abaisser, d'être sur les genoux tout le temps et d'accepter. Ça, c'est une chose importante. Voilà pourquoi je dis, pourquoi je ne me sens pas mauricien. C'est parce qu'aujourd'hui, on est en train de subir une situation dans laquelle nous tous sommes responsables. Nous, en tant que mauriciens, d'une part, pourquoi? Parce que nous n'avons pas transmis ce que nous avons appris et que nous laissons la situation à ceux qui sont là-bas, à Maurice, dire que c'est normal. Quand on accepte que c'est... Merci. Nous pouvons terminer dans un petit moment. OK, mettons Mike et allez, Mike, pour le temps, micro. Après, Bachter, tu voulais dire quelque chose aussi. Est-ce que vous m'entendez? Allez, oui, on t'entend, mais vas-y rapidement. Oui, bonsoir, je vais être rapide. Hein. Il y a pas mal de... je ne sais plus où j'en suis, voilà. Il y a pas mal de choses hein, qu'on doit mettre en place. Moi, je suis en France depuis bientôt 41 ans que je passe ma vie en France. Et bien sûr, je vais en vacances à Maurice. On a parlé sur beaucoup, beaucoup de choses, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais je vais aller direction Popo, je crois, qui disait qu'il attendait quelque chose, que son pays lui donne quelque chose. Mais c'est pas, il ne faut pas attendre que le pays te donne quelque chose. C'est à toi de donner quelque chose au pays. Donc, c'est à toi d'emmener, de prendre des choses, de ton intelligence, ton savoir-faire, d'aller dans ton pays, à Maurice, pour donner quelque chose aux Mauriciens. Mais n'attends pas que l'île Maurice te donne quelque chose, mais à toi de donner quelque chose, Popo, à Maurice. Et je pense que tout le monde ici, excuse-moi, hein, je parle en français parce que il y a pas mal de choses que, voilà, il y en a
de tout le monde, le jour où il y aura de la transparence à Maurice, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. C'est surtout ça, la transparence au niveau politique. On peut dire que le gouvernement n'est pas bon, on peut dire qu'il est bon. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il a fait des choses bien, il a fait des choses pas bien. Mais que ce soit le gouvernement actuel ou l'opposition, je pense qu'il est vraiment temps de passer un coup de balai, je dis bien un coup de balai, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux, et il y a des jeunes qui arrivent. On a tous commencé jeunes. Quand tu commences un travail, tu le commences jeune, sans expérience. Tu commences le travail et tu apprends sur le tas. Donc, donner la possibilité aux jeunes de rentrer dans le gouvernement. Il y en a beaucoup à Maurice qui veulent rentrer. Regarde Dave. Moi, je suis content Dave de vraiment avoir de prendre la parole ici sur cette plateforme. Moi, je veux bien t'avoir comme quelqu'un qui s'occupe de la diaspora à Maurice, parce que tu as pris l'initiative de faire quelque chose pour la diaspora. Et toi, c'est allé Maurice. J'aimerais bien que demain, tu ouvres un site internet et que tout le monde de la diaspora, mais partout, vienne te rejoindre dessus. Eh ben, Monsieur Dave, est-ce que tu veux bien nous représenter à l'île Maurice? On n'a pas besoin de 10 personnes, hein, comme je vois, il y a chaque ministre, machin. Nous, on a besoin vraiment, allez, 2 personnes qui nous représentent dans l'Assemblée, qui nous dit, voilà, ces 2 personnes sont là pour la diaspora. La diaspora apporte énormément de choses. J'aimerais remercier, il y a un monsieur de l'île de la Réunion qui a parlé tout à l'heure. J'aimerais bien lui dire un grand bravo pour ce qu'il a dit. Il a dit vraiment des choses très, très intéressantes. Et je crois que c'est un docteur, si je ne me trompe pas. Et il a dit aussi une chose, qu'il ne faut pas copier sur l'Europe ou dans le monde entier. Chose à ne pas faire. Vous avez vu quand ça copie, eh ben, il y a beaucoup de choses. À force que Alain Maurice, il regarde la télé, les scènes de crime et tout ça, eh ben, ils refont la même chose, mais en vrai. Donc, il faut arrêter ça. Et nous avons, je pense, beaucoup de choses à donner aux Mauriciens, à nous-mêmes, d'ailleurs, puisque nous sommes Mauriciens, il faut le souligner. Et moi, j'aimerais bien, parce que je vais devoir partir, je ne vais pas pouvoir rester vraiment avec vous. Moi, j'anime une émission de radio, c'est pas pour faire ma publicité, mais le jeudi, on parle de la politique. Quand il y a quelque chose qui va bien, eh ben, je dis bravo. Regardez sur le Covid-19, nous n'avons pas parlé une seule fois le Covid-19, mais le Covid-19, à l'île Maurice, je pense que la situation, le gouvernement a bien géré cette situation, parce que nous avons malheureusement 10 morts. D'accord? Pour 1 300 000 ou 1 400 000 d'habitants. C'est beaucoup, 10 morts. Attention, il ne faut pas abuser. Et quand on entend dire qu'il y a des avions qui quittent l'Europe, qui quittent le monde entier, qui arrivent à Maurice, et que les gens ne veulent pas faire le test du Covid-19, je trouve ça abusé. Parce que moi, j'ai de la famille à Maurice, j'ai aussi encore de la famille, j'ai des grands-oncles à Maurice, et j'aimerais pas que... demain, on me dit, ben, que j'entends dire, eh ben, les avions qui sont venus de l'étranger a apporté le Covid-19 à Maurice, eh ben, il y a eu 300, 400 morts. Mais souris, Mike, mais qui ça l'idée? Qui ça l'idée? Qui ça l'idée fait à un représentant, représente la diaspora sans être porté de la diaspora? Là. C'est pas Didier, Didier, Mike, vous êtes capable de gagner sa discussion-là, hein, séparément? Par rapport au représentant. Mike, merci, tu as fait ton point. Nous passons au micro à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai juste envie de dire une quote, s'il vous plaît. Mon papa fait un discours. Comment a Alex India, qui n'est pas senti les Mauriciens parce qu'il n'est pas gagné en ni en retour. Moi, j'ai juste envie de dire sa quote pour John Kennedy là. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Merci. Moi, je peux dire quelque chose. Une seconde, Abiraï, je vais aux questions qui m'ont pas pour répondre toi, Talien, si maman. Donc, Bach, tu as envie de dire un point. Après, nous passons à Nathalie qui voulait dire quelque chose. Bon, mon vrai point, une affaire vite, c'est pas ce qui te pays qu'a à faire pour toi, c'est ce qui toi, tu n'as pas à faire pour ton pays. OK? Ça permet d'abord. Tu veux une pécuse amendement constitution, c'est bien. Mais est-ce qu'il nous connaît pendant ces 4 derniers, depuis 52 ans? Et il y en a 4 partis
quatre la tête qui n'amène constitution. C'est là le problème. Asté ne peut que sans constitution, sans référendum électoral et tout. Mais est-ce qui nous évoluer dans nous la tête? Sorry, Mike Pekers est allé là, mon apprécié ce qu'il vient dire. Même Nicolas Français, Suen, Le Jans Créole, ça bref. Mais sur Mike se propage, et un camarade, l'in psychologiquement ou l'in tombe d'une faiblesse de. Bon, sur la tête, il est fatigué, bien sûr, il est stranded, comment nous dire. Mais Mike même peut faire une bonne publicité, là, se passe contre la dame. Il est vraiment une bassesse. À ce moment, on vient de ces affaires, Lola. Nous pouvons cause diaspora, c'est bien. Nous cause l'économie, super bien. Mais nous, la diaspora, le mauritianisme et tout, qui nous a porté, c'est pas juste l'économie, c'est une qualité qui nous est là, c'est une expertise. Ça peut être une value, ça, côté l'argent. Si nous guettons bien sa manne d'affaires, là, nous pouvons vraiment comprendre qu'il nous apporte beaucoup plus au pays. Et je suis à la côté réforme électorale et tout. Mais comment nous pouvons capables à faire une réforme électorale? Sorry de dire quand nous-mêmes, quand nous guettons le pays, nous guettons ce qui passait sur Facebook, ce qui passait, prends l'exemple du PM même, il y a une cause d'affaires sur l'IPEDIA demand meeting, l'IPEDIA ZUT, ban d'affaires comme ça. Mais quand nous trouvons sa bande d'affaires là, et la même bande du monde qui suivent sa bande du monde là, je dis, ben, bande diaspora, bande ceux qui vivent à l'extérieur, ça veut dire, l'IPABESH nous-mêmes là, au fait. Et là, les autres, de réponse, ça, je pensais, c'est bande leader, bande qui est à l'intelligence, et c'est bande là qui peut parler comme ça, ça veut dire, ils donnent le reste de la nation la force pour critiquer la diaspora sans vraiment comprendre qui nous a porté au pays. Correct? Et là, c'est nous peut-être bon camarade, get comme in stranded, comme in bloqué à l'étranger. Vous pensez que tu peux suivre l'actualité? Il y a 380 millions in dépensés dans le football. Mais s'il get bien, il peut cause le patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est nous-mêmes qui peut être sa man du monde qui peut stranded là. C'est nous, man du monde à l'extérieur, qui peut être sa man du monde qui est bloqué à l'étranger là. Et c'est ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est pas que l'argent. Le patriotisme, c'est pas ce que t'as plamé. C'est pas que suivre. Moi, m'espérais, Zodi, nous commençons, c'est bien. Et la man, je veux nous causer. Il y a 19 ambassades. Déjà, calcule bien. Il y a 19 ambassades. Il y a un consulat dans le monde. D'accord? Comment dit peut dire? Comment nous pouvons capables, d'une façon, pense, une réforme quand déjà sur place, même il n'y a pas existé, il est impossible de même penser pour faire à la diaspora voter. Sorry, moi aussi, mon diaspora, mon fier mauricien, c'est qui connaît, mais livré, quand nous pensons sur ça, nous dire, ouais, mais est-ce qu'il peut faire révolution? D'une façon, révolution, c'est d'une façon, comment dire, révolution, c'est le changement, hein, avec la paix, mais pacifiquement, démocratiquement. Mais est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il nous, qui est à Maurice, qui est à l'étranger, est-ce qu'il nous-mêmes, nous pas penser, nous besoin évoluer dans nos manières de penser? C'est ça. Beaucoup de compatriotes ici, une causé. Mon trousseau de causé, il y en a beaucoup, il y en a 37 et tout. Mais la majorité dedans, sorry, m'a pas connu, capable, m'a pas un trousseau de causé. Mais comme il parmi eux, il deserve voice out. C'est là la première step. Encore des trucs dedans. Comme la première parmi eux ici, in deserve voice out, in deserve voice out dans votre communauté. Je suis chez moi, donc je voice out. Sorry. Vous pouvez juste intervenir là, à ce point-là. Allez, Bash, termine ton point, Bash. Mon mari proud, mon cas à dire, il y a 37 du monde, une vinise au dit, ouais, c'est aïe, nous peut montrer, c'est un claque, revers. Qui nous peut donner au PM et tout. Comme on dit, tout, c'est pas juste sa PM, c'était là, ben avant, qui nous vient, tout. C'est un claque revers qui nous peut donner, je te montre, que la diaspora nous capable réunir, nous capable faire la force et vraiment nous care pour nos pays. Astia, c'est comment nous pouvons prendre ça de l'avant et m'espérer prendre plus de chemin pour nous. Mais avant, nous continuer
faire réforme, c'est me penser nous faisons réforme nous-mêmes. Après, là, là nous capables, c'est penser la réforme. Allez, merci. Est-ce qu'il nous parle pour Zana pose la question, Pierre-Atan? Pour Zana, Pierre-Atan? Oui, un petit moment, Kevin, mon corps n'est pas encore causé pour l'instant. Kevin, merci. Merci pour Zana. Oui, sorry. Ouais, donc. Pazana, réglez ton problème. Allô. Donc, Kevin, réglez ton problème. Pazana, pose ta question, s'il te plaît. Merci beaucoup, c'est Farhanaz. Alors, Farhanaz, sorry. Moi, apprécié qu'il nous tous, ça fait presque 3 heures dans nous causer, nous faisons une analyse de la situation, qui nous pointe de vue, nos réformes, nos toutes affaires. Il n'a d'accord, il n'a pas d'accord, il n'a discuté, il n'a trouvé COVID une bien gérée que quoi que moi, mais dans mon point de vue, là, quand on a COVID bill, bon, passons. Ma question est, après ça, l'analyse qui est capable de prendre des jours et des semaines et qui nous peut faire depuis longtemps, qui nous encore toujours à la fin de 3 heures temps, nous, en tant que la diaspora, nous pensons pour être côté social, côté politique, financier, qui nous contribution. Mais à la fin de cette discussion-là, en tant que diaspora, vu qu'il nous pénale le droit de vote, concrètement, nous, ma question, c'est qui nous capable de faire pour changer cette situation-là dans Maurice? Voilà. Il faut prendre le pouvoir, madame, il faut prendre le pouvoir. Voilà. Vilaine, tu nous la question de Farhanaz. Farhanaz, si tu es capable, répète la question, s'il te plaît. Donc, en gros, tout ça causait une causée là, ben différents échanges, ben différents points, ben, qui est capable de faire, concrètement, en gros. Est-ce avant qu'il me réponde, voilà. Farhanaz, me faire un petit éclaircissement, me prendre pas besoin de remarquer, me content faire un petit éclaircissement et sur le point qui bâche. Qui fait dans le commencement de ce intervention sur la Constitution. Ce n'est pas un politicien qui fait écrire la Constitution de Maurice. Et n'a pas un législateur, c'est-à-dire un élu du peuple, qui fait un amendement de la Constitution. Et un des pionniers, si je te l'ai, qui fait écrire la Constitution, un des pionniers, c'est le professeur Desmes. De Smith qui finit être le pionnier et sur la création et l'écriture de la Constitution de Maurice. Et pour répondre à Farhanaz et me rejoindre Farhanaz sur la gestion du COVID à Maurice, me d'accord avec Farhanaz sur ce point de vue, et mais me pas d'accord avec qui ça finit bien géré sans être démagogue. Parce qu'il est d'un petit pays, il est entouré par la mer, mais sous ferme frontière, évidemment, pas pour rien, et beaucoup de monde qui peut gagner le COVID. Donc, Pénama géré, bien géré, et surtout pas avec, si vous trouvez un monde comme Mike, si vous trouvez un monde qui peut tracer à l'extérieur, qui peut être un patronyme, qui peut venir le premier ministre du pays, là, je me dis oui. Mais si vous trouvez X, Y, Z, votre papa, il prend votre dans les bras pour venir de premier ministre du pays, qu'ils ont mis une travail dans notre vie, là, moi, pas d'accord du tout, là, moi, rejoins Farhanaz. Pour répondre à la question directement, Farhanaz, et sur qui nous peut faire après ça, et comment nous peut capable et faire un changement, ben déjà, c'est un bon commencement avec monsieur qui dit très, votre lit, très déterminé, et Dave avec l'initiative de 100% citoyen, qui, pourquoi nous visons saluer lui et remercier lui beaucoup parce qu'il, mais tout qu'il a aujourd'hui, il prend un temps énorme pour faire une organisation, envoyer un message à tout le monde, créer un groupe et contacter tout le monde, manager lui de sur la case de la là, mais tout là, nous peut faire lui, c'est un plaisir, on remercie tout d'ailleurs. Mais en particulier, des Sanasi, c'est un brainstorming, nous pouvons garder le contact à travers ce groupe-là. Et nous bien trouvons ben, les autres stratégies, et certainement, Farhanaz qui a l'idée encore, qui a l'idée, m'encourage de nous l'idée, nous bien continuer à faire pression. Et comment moi, je fais pression,
Et aussi, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont envoyé BBC, m'ont envoyé ITV, John Snow ici en Angleterre. Et, mais nous bisons continuer, dénonce ben dérive totalitaire, continuer, dénonce ben atteinte à la démocratie, continuer, dénonce ben atteinte à la liberté d'expression de nos pays, et c'est bien ben organisation internationale qui est capable d'aider nous parce qu'il nous l'a. C'est un cri du cœur en même temps quand tous nos ben Mauriciens est manifesté, nous restons Mauriciens malgré qu'Alexandre est là. Vous pensez, vous comprenez qu'il le dit, hein, vous pensez du tout, s'il l'a dit parce qu'il y a le Mauricien, le cœur du Mauricien, et nous tous Mauriciens, nous tous contents parce qu'il nous là, parce qu'il est content d'être là comme Mauricien. Et sur ça, vous pensez, nous gardons contact et nous pour donner les autres points encore avec dans le futur. Qui ne peut faire et qui ne peut pas faire. Vous pensez, Yuva, envie de faire un point nous... Kobylan, navré de vous interrompre, Kobylan, mais je pense que c'est quelque chose que je dois dire. Est-ce que les gens, enfin, pas les gens qui sont là, désolé, nous sommes tous assis là autour de cette table virtuelle et nous parlons. Est-ce que nous avons une petite idée? Est-ce qu'il nous a une petite idée de l'ampleur du problème de la drogue à l'île Maurice? Et de l'emprise de la mafia qui est liée à la drogue chez l'île Maurice. Je veux juste dire ça parce que c'est facile de causer, qu'on va aller en politique, qu'on va faire ici, qu'on va faire là-bas. Mais il ne faut pas oublier ça, c'est un business qui vaut des milliards. Et comment on arrête ça? Voilà ma question. Absolument, Julien, moi, je suis l'ennemi. Je me rappelle, après, je vous laisse Yuva faire ce point. Je me rappelle très bien, et c'était, corrige-moi, Dave. En 87, quand 4 députés ont arrêté à Amsterdam, et 87, bien, quand 4 députés ont arrêté à Amsterdam, c'était sous le gouvernement MSM. Yeah. Et ça, c'est un trend qui finit répéter dans les annales politiques à Maurice. Tous les temps qu'un MSM au pouvoir nous guette, nous trouve la prolifération de la drogue. Et Julien, encore une fois, que nous guette vidéo, quand nous guettons qui circonscription que la police pas capable de faire l'ornier, c'est dans cette circonscription numéro 8 que le grand démocrate qui vient dire nous pour casser les reins trafiquant la drogue. Et c'est dans numéro 8 que la police pas capable de faire l'ornier. Donc, moi, les autres font votre propre opinion. Moi, les bandimons qui peuvent écouter font votre propre opinion. C'est un documentaire qui vient de passer. C'est dans numéro 8. Dans cette conscription de Pravin Jagnat, le premier ministre, cote une prolifération de la drogue, et c'est lui qui vient dire pour casser un trafiquant. Merci, Julien. Si, si vous permettez, juste, je termine très vite, rapidement. Vous donnez-toi 3 secondes seulement. 3 secondes, juste une histoire. Vous avez vu, il y a une promotion de 400 millions de roupies qui vient mettre là à la télévision pour le match Liverpool, là. Et moi, l'année dernière, on arrive Maurice, on écrit un film, un long métrage, qui pour tourner à Maurice, présenter à Maurice. D'ailleurs, il y a plusieurs articles qui viennent sur Otilo là. Mon film vient de Maurice. Donc, moi, Mauricien, mon GPSIP et moi, on a fait la preuve. On vient de Maurice avec une équipe professionnelle pour demander à l'aide ministère de Maurice pour dire, mon film écrit un film, mon envie qui, ça film là, tourne à Maurice. Qui nous fait la promotion Maurice, tout la culture mauricienne, etc. Et on finit une réponse non. Alors, qui n'a que une dépense 400 millions de roupies. On demande 100 millions de roupies. Malheureusement, c'est le cas, Alexandre, où tu faisais pourquoi, vous connaissez comment ça fonctionne à Maurice, tu faisais un contact avec le ministre de la Culture et la commission qui m'a lancé 400 millions, où tu faisais finir que ça avant, vous connaissez comment m'a lancé. Mais donc, c'est du mal à la cuisine. Voilà, c'est du pour vous dire. Juste oui, merci, Excédé. Je connais comment t'as parlé. Au Ville-Maurice, vous pouvez me veiller.
Allez, ben camarade, nous pas vous tarder pour Marie 11h, Maurice presque là. Nathalie, tu voulais faire un point, mais besoin de répondre à la question de Abiraï. Moi aussi, tu peux envie faire un point. Nathalie. Oui, parce que je vais faire un truc vite fait. En fait, avec il y a certaines personnes qui n'ont pas pu prendre la parole parce qu'il y a des gens qui ont parlé 3-4 fois. Mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas là pour. Allez-y. Et je sais que c'est pas facile à gérer, hein. Donc, moi, pour répondre à Alexandre, que moi, Simone Vigne, en France, petite, et c'est moi, mon alvé à Maurice. Mon alvé à Maurice, et Maurice n'a pour moi beaucoup de choses. Et aujourd'hui, mais il a 49 ans, Maurice est encore gravé, et j'espère qu'il sera toujours gravé là. Donc, pour lui dire, c'est à nous de faire le travail. Vous trouvez, Dave, et aussi bien les gens qui m'écoutent, moi, bon, en plus, en dehors de mon travail pour l'association Mouvement Solidarité Mauricienne, et qui me crée depuis 1996. Et pour vous dire que tellement mon cœur à Maurice, moi et mon président, M. Mario Biatem, nous travaillons au stade de ciel-là, et c'est un plaisir pour moi, pour qu'il nous puisse, depuis 1996, qu'il nous combattre afin d'obtenir ce droit de vote pour tous les résidents à l'étranger, hein, et pour vous dire que c'est une fierté pour nous. Et si nous faisons ça, ce ne sera pas que pour nous gagner la victoire ou battre l'estomac, ça serait pour toute, comment dire, toute citoyenne à l'étranger. Et donc, comme M. Narsingen avait dit tout à l'heure, évidemment, il faudra une réforme électorale et, pour qu'il nous réussisse à gagner sa droit de vote là, pour nous réussisse à gagner ça, et aussi peut-être, vous pensez bien même, passe pour une deuxième république. Et dans nous, l'association, nous pour combattre encore, et nous invite toutes personnes qui sont à l'étranger, peu importe, si je te les contacte, nous donnons un site, leur Facebook. Hein, oui, madame, mais si c'est pour faire sketch, devant l'ambassade, ça passe à vie, non, hein. Si c'est pour faire sketch, j'ai donné devant l'ambassade, ça passe à vie, non, hein. Oui, me comprend où? Me comprend où colère? Bon, mettez-moi dans la situation. Je te mets tout en place avant, je te cadre tout avant, après. S'il vous plaît. Merci. Si Walden, mon page Facebook, ou mon pas connaît peut-être tout y présent, d'accord, monsieur, me tenir moi correctement. Si Walden, mon page actuellement, ou pour trouver qu'il me fait mon lecture correctement. Maintenant, je suis désolée, me désolée si Tiena ban petit conflit. Et pour vous dire que. Regarde même là le plateau que nous n'étions aujourd'hui. Mon collègue qui t'y bizarre suivre derrière moi, M. Clou, eh bien, chaque petit bout de minute, trois, quatre fois, l'animateur ne peut rien faire. M. Dave ne peut rien faire. Vous comprenez, les gens, c'est les gens, quoi. On ne peut pas faire autrement. Et on aura toujours des critiques, mais les critiques pour nous, notre association. Merci, Nathalie. Voilà. Merci pour le point. Bon, ne pas vous tarder pour close. Et Vanida qui ne pas entendait du tout. Il demande le micro. Vanida, micro pour toi. Je crois, Dave, comme Vanida finit causer, nous écoute Claude. Oui. Aussi, parce que Claude, oui. Beaucoup de faire le point. Nous laisse Claude faire le point après Vanida. Et comme Vanida finit Claude. Et ensuite, Yubat, on lui fait un petit point après nous capable de terminer mon pensée. Bon, il y a Alison de Yeland qui l'a préparé. Adjoint, Vous m'entendez? Allez, nous continuons. Vanida. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Et merci aussi de me donner la parole. Moi, ce qui me tient là pour faire ressortir ce soir, surtout que nous sommes solidaires, surtout tout le Mauricien qui est à l'étranger, à n'importe quel pays, parce que faut savoir que étant donné, nous, une quitte Maurice, pour moi, ça fait très, très longtemps, moi, je suis très jeune. Et quand nous, à Maurice, moi, tous les ans, moi, j'essaye de faire tout ce qu'on peut avec les, enfin, un petit peu des trucs caritatifs, etc. Quand nous arrivons à Maurice, nous n'est plus comme ça, man Mauricien qui vivent là-bas, nous sentons, nous perdons certaines petites choses. Et c'est avec beaucoup de peine quand nous quittons Maurice aussi, quand nous quittons, nous finissons nos vacances. Et quand on arrive, moi j'habite en Belgique, et ce qui est triste aussi, c'est que malgré qu'ils nous disent dire oui, nous vivons en Europe pendant 40 ans, etc., mais pour les Européens, on sera toujours des étrangers. C'est pour ça qu'ils nous disaient quand même, réclame le droit par rapport à Maurice, réclame le droit de vote,
pour qu'ils nous gardent à 100% nos droits de citoyens. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour nous, pour nos 20 enfants, parce que déjà, nous nous perdons quand même pas mal de temps qui nous parvient Maurice. Mais encore moins parce que je pas vivre, je n'ai pas né là-bas. J'ai été transmettre sa bonne culture, etc. Mais par rapport à ce qui s'est passé, ben, nous avons même des fois de décourager en disant oui, etc. Regarde comment ça se passe. Donc, mon pensée, il arrive vraiment le temps maintenant qui nous a été redresser sa pilule du petit paradis. Donc, voilà. Pour les Européens, on sera toujours des étrangers. Mais nous ne sommes pas étrangers dans notre propre pays. De l'île Maurice. Voilà, merci beaucoup. Très joli dialogue, Vanida, pour les pays. Messieurs, dames, désolé d'interrompre encore, je vais retourner. Pardon. Bon, ben, allez-y. Ne laisse que. Sorry, Claude. Ouais, parce que bon, j'aimerais bien terminer un tout petit peu quand même, parce que même si j'ai que 2 minutes, hein, mon continue au créole, mais là, mais il n'y a pas qu'ils aient fait une passée. Je ne dis pas quelque chose, mais nous sommes autres, mais nous autres. Attentivement pendant 3 heures, mon reste là, mon écoute tout dix mots, les nains, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc, c'est qui est Nadimoun. Déjà, nous pensait qu'il mauricien, déjà, comment on se prend sur lui pour être un petit peu plus organisé et respectueux pour qu'il tout dix mots capable cause un petit guide. Un petit guide, hein, mon papa demande beaucoup, moi. Et là, il causait pendant 10 minutes. C'est pas grave. Mais maintenant, maman, mon envie de dire des affaires. Et moi, mon pensée est très important. C'est qu'en fait, c'est une remarquée là. Tout ce qui nous le fait comme débat depuis le début, 3 heures, personne, aucun Jimoun, The Two People Demand, si ça, c'est à ça, personne ne va citer le nom de Bruno Lorraine. Est-ce qu'ils ont un Jimoun qui cite le nom de Bruno Lorraine? Personne. Donc, si moi vous dis, c'est une affaire, moi. C'est ce qui nous, si nous tous nous là, eh ben, le mec, au début, parce qu'il a eu les couilles pour aller faire ce qu'un paquet Jimoun ne reste y faire. Excusez-moi, je vais prendre un mot grossier, mais c'est ça que j'ai envie de dire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Lili ne fait quelque chose, il peut faire quelque chose au niveau citoyen. Il ne réussit à faire sa marche-là, sa démarche-là, il fait dire au niveau citoyen. Et ensuite, Lili dire, et ça, je prends ces mots, Lili dire qu'il n'est pas là pour faire de la politique, mais il a envie qu'il y ait un changement. Il a envie qu'il y ait un changement au niveau gouvernement, mais il dire aussi que mais si ce gouvernement-là, Lili d'accord pour faire un changement qui les a mis en place, et ben qui n'est pas là pour renverser le gouvernement. Parce que Montan Jimoun dit, ah ouais, vous l'idéo, lève paquet, allez, etc. Il a dit ça aussi. Moi, je prends juste ces paroles-là. Donc, ça, Montan Jimoun qui dit vraiment, prend tout au niveau mauricianisme. Là. Donc, ça, je vais faire attention à ça. Je connais qu'il y en a ben, tout le monde peut même la vie, tout le monde peut même l'opinion. Mais nous sommes tous capables, on dit, mourir piqué. Donc, nous sommes tous capables de mourir piqué à un moment donné. Comment nous allons faire ça? Et là, on reprend un point de Mike parce que nous avons un Dimoun qui a relayé nous à Maurice, effectivement. Dev, c'est lui qui a gagné cette initiative-là, jamais on trouve ça. Dans la France, on a plus de 35 années, jamais on trouve ça. Donc, c'est qu'ils ont, si Zone Dressy trouve ça, Zone, sa initiative de cette collaboration qu'on est là, jamais j'ai vu ça. Moi, fier à mon Mauricien, parce que moi, je trouve tout là, tout autour du monde. Et ça me fait très, très plaisir. On a même un Jean-Marie qui, on arrive 4 heures du matin, il y a la même. Alors, donc, pour vous dire, c'est génial. Donc, moi, j'ai envie de dire aux autres, mais arrête, nous, commence l'union, pas la division. Mais on a une petite question quand même politique où on envoie 100% citoyen. Parce que si nous, là, c'est politique, moi, mon nom. Bon, pas au nom de la radio, bon, pas au nom de quoi que ce soit, bon, mon nom en tant que citoyen. Et moi, les affaires politiques, pour les autres, c'est que la seule manière qui nous capable de faire ça, qui nous dit, ouais, ne pas faire politique, même Bruno Lorraine dit, ne pas faire politique, en fin de compte, on fait de la politique. Quoi qu'on fasse, on fait de la politique. Peut-être qu'on va pas aller dans un parti, mais on fait tous de la politique pour notre pays, pour essayer de tout changer. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est que si on doit changer, parce qu'il y a la drogue, il y a la corruption, il y a la cuisine, il y a plein de choses à changer à l'île Maurice. Nous connaissons là, tout ça là pour changer. Tout ça là, ça vous passe par quoi? Ça vous passe par la politique. Ça vous passe par une seule chose, c'est le droit de vote. Ça vous passe par une réforme électorale. Et ça, moi, d'accord à 100%, pas pour faire de blague, hein, avec Dave Sonassi, c'est que bizarre une réforme électorale. Bizarre sa réforme là. Moi, je vais mettre des 3 élections là, passées. Et là, Dimoun, ils ont gagné 50,8% des voix électeurs, mais ils ont gagné les 3/4 des sièges. Comment on explique ça? Donc, c'est
toujours le découpage, comme disait Covinden, le découpage avec les circonscriptions. Ça, il y a des choses à faire. Bizarre, fait bizarre sans ça. Alors, comment nous pourrions sans ça? Nous pourrions sans solution, nous amender. Donc, il y en a plusieurs micros là. Mais donc, ce qu'il me peut dire... Chakil, coupe ton micro, s'il te plaît, Didier et France. Les donc, moi, pour terminer après, donc, on peut nous autres au carré pour aller. Ce qu'il me peut dire, c'est que le seul truc qu'il nous besoin faire, nous besoin penser, un changement au niveau réforme électorale. Ça, moi, absolument d'accord. Parce que sinon, il peut toujours pareil. Il peut toujours pareil. Et donc, pour y a ce côté identitaire, et quand tu as voté, tu as dire, et n'a pas aussi mon trouvé, ça m'a choqué, et n'a pas aussi pas un récit apply, parce que justement, les types besoin mettre son identité, ils pas le mettaient, ok, son identité ethnique, ils pas le mettaient. Résistance alternative, moi pas envie de dire des bêtises. Mais, donc ça, c'est à changer. Ensuite, au niveau du droit des votes, hey, ben camarade, droit de vote, il passe par l'Assemblée. Nous capables de battre, nous capables devant l'ambassade, nous capables de côté nous aller, nous capables n'importe où, nous capables aller. Jamais nous pouvons gagner le droit de vote si ça pas passe par l'Assemblée, par le Parlement, par le vote. Nous gagnons, nous causons Chakil Mohamed, nous causons Kalonen Vadou, nous causons plusieurs politiciens. Et ben autres, nous disons autres, ben vous avez ça bien cul là dans l'Assemblée. Ils ont dit à nous, oui, ben si nous mettez, faudrait qu'il c'est le parti au pouvoir qui mettait. Il faut dire que ce soit le parti majoritaire qui emmène ça à l'Assemblée. C'est ce que Chakil Mohamed Indianou live, ok? Donc, parce que si c'est pas la partie majoritaire qui amène ça à l'Assemblée, au Parlement, eh ben ça va pas marcher. Ils ont pas réussi à faire y passer. Donc, la question qui m'oppose Dave, 100% citoyen, moi, pour une finie là-dessus, c'est si jamais un parti passait, allez, Moumedzot, si jamais le 100% citoyen passait, qui garantit, Dave, de nous, à toute la diaspora mauricienne, qui garantit de nous, qui justement, nous pouvons amener ça à droit de vote là, à l'Assemblée, pour qu'il nous gagne un représentant, pour qu'il nous gagne un député qui représente nous et qui nous capable de gagner une voix quand même. Qui garantit, je pouvais parce que 52 bananes, nous tout dit ça, et c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. J'ai envie d'un changement, et donc, vous posez sa question là, direct, franc. Qui garantit nous, à travers le monde en ce moment, ce serait intéressant qu'il nous connaît, qui ça garantit la nuit. Voilà, c'est ça ma question. Merci qu'ils ont laissé moi poser, en tout cas. Merci, Claude. Vous trouvez qu'il y en a Abiraï aussi qui te pose une question qui résonne tes questions, en fait. Oui. Okay. L'année dernière, pendant l'élection, c'est lui, c'est l'élection, pas oublié, 100% oui. Il créé en avril 2019, okay. Et nous t'y proposer dans nos programmes de gouvernement l'année dernière, on peut redire en même temps, pour moi, montrer les autres, nous t'y proposer qu'il y ait un député qui représente les Mauriciens de l'étranger comme première étape. Parce que pour nous, nous pensons qu'il n'est pas compliqué, pas besoin bel sensement pour faire. Donc, c'est possible. Et, donc, comment la France est en allié, hein, il y en a beaucoup mieux. Voilà. F11, exactement. Ça, oui, oui. C'est une première étape. Première étape, c'est ça. Un député, il est choisi pour être le député de la diaspora. Parce qu'il y a un dimoun qui peut faire un travail là pour le faire recensement là. Exactement. Et puis 50 bananes, pas de gagner, aucun gouvernement qui ne fait aller. Combien première génération, deuxième, troisième, combien il y a carte d'identité, combien il y a passeport, whatever, et ensemble, avec tout le monde, discuter pour trouver un modèle. Il n'y a aucun modèle qui peut faire. Mais au moins, il puisse y avoir au moins un modèle pour démarrer. Tout à fait. Ouais. Et donc, tu peux parler 10 secondes, comment il fait dans la France, comment il était dans la France, représentation, non? Ouais. Claude vous explique ça un petit moment. Oui. Ça commence quelque part avec un premier pas. Et c'est un premier pas là que je fais immédiatement ça. Pas besoin de changement de constitution pour ça. C'est uniquement une volonté politique. D'accord. Le deuxième pas, OK, et ça, c'est ce que nous, on avait... Je me redis toujours en même temps. Je fais un share screen. Ce que je dis à toi, Dave. Et là, tu vis une deuxième étape. Oui. Tu vois, deuxième étape, c'est le droit de vote. C'est là, il y a quand même un gros travail pour faire. Un très gros travail pour faire toute la partie... recensement et toutes les histoires, et quel modèle, tu vois, et ça, c'est pour moi, ça, un vrai débat qui est bizarre, y compris avec un référendum.
parce qu'il te change quelque chose de majeur dans la Constitution. Tout ce qui est changement de majeur, nous, au niveau 100% citoyen, on avait proposé que ça passe par un référendum. Mais là, il y a un autre problème, là, Dave, parce que référendum, pas dans la Constitution, le référendum. Donc, moi, j'ai l'impression... Enfin, corrige-moi. C'est pas dans la Constitution. Vous, on est d'accord, il n'est pas dans la Constitution, c'est bien ce que je pensais. Donc, déjà, il y a une chose à changer, parce qu'il faut, quand tu as une question majeure, il faut qu'on puisse dimansad, banjimoun, à le voter pour ce pousseuse. Il y a deux manières de voir les choses. Covilaine va nous corriger éventuellement. Il y a une affaire. Première affaire, soit l'île en constitution, dans ces cas, tu es obligé de faire l'île. Deuxième affaire, il n'y a pas de constitution, tu es toujours capable de faire l'île. Au moins, au niveau référendum. Tu vas bien de la loi. Allez, par exemple, nous avons Freedom of Information Act de Maurice. Oui, exactement. Mais sans une loi, tu n'as pas fait liste de la volonté, là, tout simplement. Non, mais là, au niveau de la loi, l'Ivine officialise certaines choses. Nous avons un camarade de Luxembourg, là. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'au Luxembourg, Maurice fait partie des 20 pays qu'on appelle full démocratie. On est d'accord. Il y en a des pays dans les 20 pays. La démocratie. Là-dedans, nous, on est le seul pays qui n'a pas de loi pour un Freedom of Information, mais le deuxième pays, c'est le Luxembourg, qui a une loi qui n'a pas été enforcée, mais qui fonctionne sans la loi. Comment te dire ça? Enacted. En fait, ça fait une espèce de jurisprudence, c'est ça que tu peux le dire. Donc, fois que ça a été. Pas tout à fait. Covilaine, vas-y, fais ton point. Laisse-moi faire le point, Claude. Il y a un exemple très, très concret, c'est le Brexit. Okay. Dans les TFPNA référendum dans la Constitution. Oui. Mais The Film refait un référendum, justement, pour tâter le pouls avec le public britannique pour connaître si pas nous en virons dans l'Union européenne ou pas. Mm-hmm. Donc, encore une fois, nous raisonnons, c'est la volonté. Et en même temps, d'une démocratie vivante, et l'Angleterre, l'IFIN fait un référendum pour demander le public si pas nous reste dans l'Union européenne ou pas. Donc, même l'affaire là, nous avons fait l'Imaurice. OK. Non, pas une décision importante, il pas de la Constitution, l'IPN a la force légale, mais il est aussi démocratique qu'illégal. C'est exactement le point que je voulais faire, en fait, depuis le début. Si vous me permettez, excusez-moi, je m'en vais interrompre d'autres, mais Motibus a fait ce point-là depuis le début. Motibus a envie de cause ça, qui toute réforme qui n'est arrivée dans l'histoire de l'humanité, toute réforme qui les avancées, pas d'avancée sociale, que ce soit, par exemple, le combat contre l'apartheid, que ce soit, par exemple, la résistance pendant l'occupation de Vichy en France, tout bon combat. Alors, bien sûr, on ne peut pas vous dire qu'il y a violence, malheureusement, mais il faut quand même comprendre qu'il y a un changement de mentalité. De la mentalité de l'esclave qui subit doit devenir la mentalité de l'esclave marron qui se bat, qui vient un combattant, un soldat, un résistant, un militant. Et tout ça, il passe par une volonté de chacun dans son propre logiciel, son propre mojo. C'est un combat qui nous fait, et ça passe par l'éducation populaire. Moi, enseignant, moi, métier enseignant, moi, quitte l'éducation nationale, la France, parce qu'il me dit, cautionne justement le dictat de la pensée unique, le capitalisme, le consumérisme, qui pousse aujourd'hui, même en France, des enfants 14 ans, à le prostituer. C'est un problème qui est grave ici, la pédocriminalité. Donc, nous faisons un texte le 18 septembre qui est publié l'Express sur la refonte de la Constitution. Parce qu'il faudrait arrêter cause des affaires législatives. Là, nous pas dans ce stade-là. Nous cause un problème constitutif. La Constitution doit être changée. C'est ça, graver dans le marbre les choses qui, pour garantir nous protection en tant que citoyens. Et nous, Bizin, prend de notre propre volonté ou bien d'un combat, parce que ça va être l'hypoint de combat, je ne pas pour les snous. Et Dimoun, c'était très bien qu'il explique qui va ben, premier Dimoun qui ne fait la constitution, qui ne rédige cette constitution-là, en fait, pas qu'à
mettre les règles du jeu et en même temps être un joueur. Tu vois, pas quand un référé, elle en même temps, c'est impossible. Et donc c'est ce qui peut arriver. Je t'ai écrit une constitution et c'est ça m'a même beaucoup qui n'écrit la constitution là avec leurs intérêts. C'est pas de qu'ils auraient dit peut jouer dans sa lacour là qui peut je te change figure en effectivement deux trois élections je te change figure mais finalement c'est même dimoun même intérêt même groupe mon papa cause communalisme là hein, mon papa cause ben intérêt de ceux qui ont écrit la constitution et aujourd'hui jour nous bien change c'était parfait c'est cette deuxième république c'est changé et malheureusement mon papa souhaite ça de toute mon âme mon papa souhaite une violence évidemment et il fallait justement soutenir ça l'initiative Bruno Lorette si c'est pas le personnage mais c'est en tout cas c'est l'initiative. Le combat du mauricianisme première affaire deuxième affaire motivé en vie cause le fait justement qu'il y en a un gros problème justement par rapport à la loi parce que moi motivé le patrimoine il est pas pour gagner droit le patrimoine Kevin, parce qu'il n'est pas mauricien Kevin c'est capable wrap up deuxième affaire donc patrimoine de la diaspora mauricienne donc comment gérer ce parce que effectivement et deuxième affaire c'est la nationalité et là un cas très concret de gens qui apatrident dans Maurice enfin qui apatrident pas juste dans Maurice mais parce qu'il y a un problème et du monde qui n'a l'étranger qui peut travailler donc c'est ça il faut un changement total de logiciel et des citoyens en eux-mêmes. Voilà, merci beaucoup merci. Pour votre attention. Yuvan, m'écoute-toi, Yuvan, m'écoute-toi vite fait. Micro. Tu le mute, tu veux être au micro, mets ton micro. Oh, pardon. Oui, moi j'ai envie pour clore le débat, Diane Zappé est très philosophique probablement, mais Kathleen, ces histoires, il me bien touche moins. C'est vrai. Au fait, c'est ça le problème de la diaspora. Il n'y a pas une quitte Maurice parce qu'il nous envie quitte Maurice ça dans Bézouna, allez, parce qu'il nous donne bien. Nous le ramassons baiser et dans Maurice, et nous le ramassons baiser et dans le pays qui nous tient là. Et ça, bizarre connaît. Je dis à nous, mon faute, mais quand mon faute. Mais c'est ça qui bizarre connaît. Et ce qui banne là, c'est que moi, je dis, il y a 100 mètres les courses, mais il y a un banne de monde qui pense qu'ils ont bien né. J'étais à 45 mètres d'avance, là, au moins. Mais comment moi pour attraper ça, Bézéla? Comment moi pour attraper cette distance-là? Alors, moi, j'ai une distance, ailleurs, moi, allez, ben là-bas, c'est moi, là, moi, Bézé. Et ça, dis-moi, bien connaît. Et c'est ça, la difficulté qui nous bizin, pas refaire mêmes affaires, répéter mêmes affaires dans l'avenir. Et c'est nous, comme diaspora, peu importe comment on appelle, comme diaspora, nous avons l'intérêt pour qu'ils nous bannent les enfants par passeport, même situation. Merci beaucoup. Merci, Yvan. Allez, nous faire. Il y a quelqu'un qui a envie de faire un point avant de wrap-up. Dave, moi, j'ai envie qu'Alison gagne droit de parole. Il y en a l'autre moitié pour l'Irlande qui n'a pas gagné l'occasion. Alison, tu peux présenter, s'il te plaît. Voilà, moi, ce qui m'a trouvé, je pense que j'ai commencé à M. Lendia, je pense que c'est Bruno Lorette. Moi, c'est ça va faire quarantaine là, qui bisin paye, c'est pas 400 000 roupies pour aller dans l'hôtel quand nous avons un passeport mauricien ou mauricien. Aucun pays, je ne pas entendre, je ne connais pas de pays pareil, mais Irlande, en tout cas, quand ce banc du monde retournait, ben, personne qui visait payer, elle reste dans l'hôtel, quarantaine, c'est pas quoi, faire self-isolation, reste dans la case 14 jours. Ben, je ne comprends pas comment le gouvernement mauricien demande pour payer sa quantité de casse là. Et ben, l'hôtel qui peut gagner quand on tape, c'est ben, l'hôtel 4 étoiles. Et c'est Maradiva qui vient en premier, l'Olalice. So, je suis pas d'accord ça parce qu'il s'y arrive un problème dans Maurice, parce qu'il a, nous pas pour le Maurice à cause de sa quantité casse vis un pays là. Mais si un du monde arrivait malade ou quoi que ce soit, nous disons aller. Mais, je trouve ça un peu hard pour payer sa quantité casse là. Avec une autre affaire, j'ai envie de dire un politicien qui retire, comme ex-premier ministre, il a une pension
ex-premier ministre, il y a une pension ex-président, pension vieillesse, tout ça là. Moi, penser qu'on fait réforme, tout ça là, etc., c'est à revoir. Parce que, comme du monde, tu dis, ben, ministre millionnaire, dans Maurice, il y a beaucoup de politiciens. Ben voilà, c'est ça. Et moi, j'ai envie d'une autre affaire, c'est pour quand nous vous trouvons un politicien pour le peuple, il n'est pas pour une qualité du monde dans Maurice. J'ai envie de trouver un politicien, futur politicien pour le peuple mauricien en entier. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci. Suminta, moi, j'ai envie de faire un point. Merci beaucoup, Alison. Suminta, vas-y, vite fait. Merci. Ou le mute. Oui, moi, j'ai envie de dire quelque chose qui Alison fait dire. On veut causer en tant qu'un jeune. Vous pensez, nous faisons recréer nos républiques sans nos mentalités, sans mentalité mauricienne, parce que c'est sa mentalité même qui peut faire nous paper à plus de l'avant. Nous sommes capables qu'on ait une élection, pas les slogans, nous conscience. Et hier, moi, j'ai un camarade qui peut dire, moi, pour nommer ce nom, bien sûr, il dit à moi comme ça, c'est qu'il y a plus casse, fait plus tapas. Alors, moi, les bandes du monde réfléchissent à ce qu'il dit, et ce que le PM dit, concernant la diaspora, il est bien, bien chagrinant. En tant qu'une Mauricienne qui vit à l'étranger, moi-même, je me sens bien touchée. Et nous, les politiciens, nous arrêtons d'aller à l'association culturelle, socioculturelle, pour faire propagande, parce que je trouve ça bien dangereux, que ce soit le gouvernement actuel et le gouvernement qui nous vient dans le passé. Alors, les Mauriciens, ils ont ouvert les lisiers. Et comment sanctionne ça, les gens qui peuvent servir les associations socioculturelles? Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je trouve ça bien, bien dangereux. Alors, je me laisse les gens réfléchir là. Et je me retrouve sans moi dans nos pays. Parce qu'ils me comptent dans mon pays, malgré qu'ils me loin, mais le cœur est prêt aux autres. Donc, je me laisse les gens réfléchir à ce qu'ils me disent. Merci, Dave. Merci, Suminta. Bon, nous pour terminer bientôt, il y a deux dernières personnes, Vachis et Jean-Marie, qui demandent la parole. Et après, nous bouclons, Kobe. Oui. Vachis. Yes. Je vais t'aider. Allô? Oui, quoi c'est? Yes. Un des six points, final. Le ce qui nos camarades de Charles étudiant nous avons droit de vote, il est vrai according to constitution, mais il y a un loophole. Loophole là, c'est the National Assembly Regulation, l'idée qui nous gagne droit à côté du polling station, ça veut dire tout du monde est une polling station. Alors pour nous capables de rester voter, droit là lila. Mes droits là, les restricted to your police station. Ça veut dire nous besoin casse ça, ça la loi de sens, sans voter là. Quand ça nous dit we need the right to vote. Et déjà une affaire, nous capable faire avant les autres façons de voter que ils votent. Et avant quelque chose qui devait est-ce qu'il y a énormément de fraude qui possible? Yes, it's very much possible qu'il y ait énormément de fraude. Mais là, since nous en cyber island, nous capable commencer faire blockchain voting. Blockchain lit une façon que ou pas pour besoin de discours, ou pas pour un ballot paper, ou pas pour besoin d'un, ou pas pour besoin d'un computer room pour faire vote. Everything will be done on a network qui personne n'a pas accès, personne n'a pas hack. Ça que besoin. Si nous avons besoin d'une démocratie, en 4 ans pour nous le mettre, that's too much of a time. Nous avons fait un système de blockchain voting, nous avons fini d'implémenter within 1 year, 2 years. En 4 ans, les bonnes. Bon. Nous avons le first country in the world que nous avons implémenté ça. Beaucoup de pays parlent de fait trop open et trop difficile à contrôler. Nous avons pu implémenter.
vu qu'il technologie là pendant plus que 10 ans, les avoir poussé à venir. Mais c'est nous récit, gagne une chance que l'électoral office explose, you'll be good. Nous avons faut faire ça, nous avons advise it. Ça qui me pense nous faire. Mais on the other side of legal, the legal side is... Après 2024-26. Donnez le temps. OK. Assez de bon garçon, bien. Jean-Marie, t'es tu pour faire quoi? Connecte toi. Connexion, okay. Ta connexion pas bon du tout. Allez, Jean-Marie, fais-toi prendre un truc. Moi, c'est bon? OK. Right, OK. Je ne suis pas là pour faire la cuisine, mais mon besoin d'une affaire, c'est que si nous tous là, si moi, je me lève dès 10h du matin pour vivre dans ce plateau là, pour écouter tout, c'est un peu la cause de l'incompétence avec l'inaction gouvernement au pouvoir. Si pas tu n'as pas qu'à chou, tu pas tu boulas, on dit, tu pas tu boulas. Tout la diaspora aucun du monde ne s'est placé là, mon pas connu à Port Mike. Et donc ça c'est une première affaire, ok. Et deuxième affaire, nous identifions comme Mauriciens à l'étranger, right? Nous pas comment on appelle ça, hindous ou musulmans ou quoi que ce soit, nous Mauriciens. Et il y a un mouvement qui peut lever le 29 août à Maurice. C'est là qu'on trouve le mauritanisme à Maurice, comme on dit, Djibon, et Centre Libre National, de Tamel, aux autres. C'est la première fois que je suis dans la vie. Donc, mon pensée, c'est un grand début, mais un bon chemin pour faire. Nous avons le droit de vote, nous avons le sens de constitution. Une affaire qui me tient content qu'on est Dave. Avec la nouvelle politique que beaucoup de gens parlent, qui n'ont pas envie de dinosaures, n'ont pas envie de partir, qui finit tout le temps là pendant 52 ans. Côte-nous pour gagner, ça va un candidat qui nous capable d'avoir le clean, qui peut travailler pour le pays et qui pas pour travailler pour notre propre intérêt ou bien notre famille, etc. Ça, c'est ma question à toi et que tu partis avec tout ce qui est là. Et nous avons un grand travail pour nous faire. Je ne connais pas si dans ma génération, nous pourrions essayer de trouver ce qu'ils ont envie de faire, mais au moins, at least, we live the founding blocks. Merci. Merci Jean-Marie. Bon, moi, c'est fait un point par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, bon, 100% quand nous y participer l'année dernière, nous étions 42, 43 candidats, nous tous nouveaux dans la politique. OK? Bon, ben, c'est moi-même, comme ce qui connaît moi, élection 2014, je ne vais pas me suivre parce que je ne vais pas intéressé à la politique du tout. Moi. 2017, tu n'as pas au ciel, 4 bonnes. C'est ça l'époque-là que tout le monde commence à suivre la politique. OK? Donc, moi, c'est pour un peu les temps pour rattraper. Mon retard, une manière causée. Qui fait mon retard politique parce que mon dégoûté, tel est là, il y a un morio pour un tout type de cause, une politique dégoûtant. Oui, c'est en fait mon remercier le gouvernement de Jacques Nath. Mon remercier le gouvernement de Jacques Nath qui me permet moi dégoûter encore plus la politique pour intéresser moi à la politique, ce outil en tant que spectateur, bien acteur là-dedans. Donc, dans New Party, la grande majorité, 99%, ça mène faire politique avant. Mais nous pas contents, c'est l'expression, c'est un terme, faire politique autrement. Pour nous, c'est faire politique comme on vise à faire. Voilà. Donc, oui, récemment, peut-être mon partage aussi avec eux. Comment 100% citoyen créé tout simplement par un modèle de primaire citoyenne. Une lance une primaire en janvier 2019, pendant 3 mois. Et après 3 mois, la primaire a été terminée. Une primaire, c'est chaque candidat potentiel. Il y a enregistré déjà l'ON site. Tu recevras un formulaire. Il y a un minimum de 100 signatures dans ce endroit. Un dimoun qui soutenait lui. OK? Et c'est comme ça, quelque part, qui ban un candidat qui ne vient, je ne passe pas un comité des sages pour être un bandit, ça, une mafia, ça, un whatever. Qui valide cette candidature, et c'est comme ça qu'il nous donne une ville. Candidat dans 100% citoyen. Un bureau exécutif inélu, au mois de mars l'année dernière, ok? Il y a un leader qui était élu, qui était José Mort, l'année dernière, moitié secrétaire général, il y avait d'autres camarades, et ben, ok, nous faisons élection en novembre, et le leader
il démissionnait après un mois. Et dans 100% citoyen, il peut rendre dans une constitution qui est en train d'être écrite actuellement. Okay. C'est un parti, si le parti pas réussit, pas vient avec un résultat positif dans une élection générale, ben, le leader démissionnait within one month. OK? Donc, aussi, la majorité d'entre eux, pas gagné l'occasion de lire ce qui nous est écrit comme programme, parce que tout simplement, ben, nous pas gagné couverture qui bizarre avec les médias. Les médias, ce qu'on, qui qu'en se dit à sa télé là, parce que c'est Suminta, quand tu es dans la casse, tu fais plus ta passe, ben, la presse aussi, ce complice ce système-là. OK? Et la presse, premier, ce même pour dire, ayo, dinozo, même ceci, même cela, mais c'est eux-mêmes. Ou quand il y a un leader qui dit une phrase couillon, l'État comme ça, le gouvernement doit être plus transparent. Ah, mais il fait un grand titre. That's it. Donc, la presse, il est aussi complice dans ce système-là. C'est la presse qui fait, qui met dans la tête du monde qui se prend le côté. Donc, de nos côtés, nous pouvons avancer petit à petit. Et le mois dernier, nous lançons un nouveau primaire. Actuellement, là, il y a un candidat qui peut enregistrer pour le même modèle, le même processus de primaire pour la prochaine élection villageoise, municipale et éventuellement générale. Donc, vous êtes capable de gagner le site web. Hein, mais comme vous êtes le programme qui nous y mettait, vous pouvez lire à l'instant, « Vachis Pécos le blockchain ben, ». Oui, nous y écrivons, vous avez une introduction du e-voting utilisant le blockchain pour faire un référendum, pour faire diaspora voting, une solution développée localement, blablabla. Bla, 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 tout ça, nous l'écrit à ça. Donc, il y a, puisqu'il y a une centaine de points dans ce qu'on avait écrit l'année dernière. Dave Mosca demande 2 secondes, s'il vous plaît. Vas-y. 2 secondes. Donc là, Enzapé, moi, tu me demandes tout ce qui ne participait, tout ce qu'il a, si je traite à votre micro et tape votre même, les autres les deux, pour avoir pris le courage et vine de l'avant avec ce qu'ils ont fait, ils ont présenté. 2 secondes, retiens votre micro, tape les autres les deux. Il y a une grande. Allô, chanter l'hymne national. Allô, chanter l'hymne national pour close le meeting. Pourquoi pas? C'est Julien, tu n'as pas la voix, molestologue. Non, du tout, si je me sens bien. Excusez-moi, je n'ai juste une dernière affaire pour que je... Au fait, je n'ai pas eu aujourd'hui, d'accord, je trouve la première fois. Merci beaucoup tout ce qu'ils ont fait, je écoute tout le monde, d'accord. Moi, une seule espérance qui me tente, qui... Tout ce monde qui est sur sa plateforme, là, chacun a une compétence dans un secteur précis, d'accord. Mais espérer que ça, du monde qui pouvine au pouvoir, m'espérer entre guillemets, me croise les doigts, qui pouvine au pouvoir, lui vous donne l'occasion, ben du monde qui dans diaspora qui est n'importe quelle compétence qui est capable de donner ce conseil là, lui vous donne ça ben du monde là, l'occasion de faire tout ça. Voilà, c'est simplement... Glory to thee, Mother land, Peace,